Bonsoir les redis, on est vendredi, vous êtes sur Fréquence Métal et on ouvre les portes de deux endroits différents, puisque vous pouvez nous voir sur Twitch et vous pouvez nous écouter sur Rock en Folie. D'ailleurs les gars de Rock en Folie, il faudrait nous envoyer un chat, on sait toujours pas ce qu'ils pensent là-bas, c'est triste. Petite, c'est juste pour les embêter, c'est une petite taquinade qu'on a entre nous. Ce soir on part sur une émission un peu spéciale et clairement qui va sortir de l'ordinaire de la semaine, puisqu'on a tout refondé, donc c'est une première pour nous. Tout simplement parce qu'on a deux invités et deux marques. On a d'abord le Planair Fest, vous pouvez lever la main. Ouais. Et on a ODC avec nous. Voilà, donc deux gros plaisirs. Et ce soir, je vais avoir la lourde responsabilité et la lourde tâche de faire un petit parallèle entre les deux sur comment se monte un festival, comment se monte un groupe, et pourquoi l'association des deux, eh ben, ça fait juste le plus bel endroit sur Terre pour nous auditeurs. En vrai, on aime bien la musique, on aime bien les concerts, mais normalement les festivals, c'est au-dessus. C'est là où tu manges ta musique, c'est là où tu vis ta musique. Donc il va falloir que je mette tout ça ce soir, et ça va être très compliqué, mais heureusement, j'ai des invités de qualité. Vous pouvez dire bonjour, je vous en prie. Bonjour, bonjour, salut. Bonjour, bonjour. Bon appétit. Alors du coup, on va commencer avec une première... Ouais, bon appétit, parce que normalement, nos auditeurs ont pris l'habitude de commander à bouffer pendant l'émission. Ils bouffent avec nous, c'est ça qui est cool. Du coup, dans le chat, tu verras des... Oh, j'ai pas mis la tablette, il faudra que je vous la mette, petit oubli de ma part, pour le retour télé. Mais tu peux voir dans le chat, j'ai commandé une pizza, j'ai commandé une machin. C'est un grand concours, c'est un bordel. Bon appétit tout le monde. Voilà, c'est top. Du coup, j'ai le retour d'image et oh, ces nouveaux éclairages, je kiffe. Du coup, on va commencer en douceur. On va commencer par une question qui êtes-vous? Que faites-vous là et qui représentez-vous? On va commencer avec toi là. Moi. Oui, les dames d'abord, je suis poli. Ah bah écoute, c'est super. En plus, t'as Punky à côté de toi et j'ai pas envie de prendre une claque donc. Eh bien écoute, attends, je regarde là ou là? Là, c'est que là, je suis perdue là. Ok, on super. Fout, on est autour d'un apéro. Ok, nickel. Donc, Célia Do, d'ODC. Donc, je suis la chanteuse et la fondatrice du groupe, qui est un groupe de métal alternatif. Voilà. J'ai l'œil dessus depuis à peu près un an. Ah, ok. Mais on s'estimait toujours trop petit pour vous inviter. On a ce blocage ça, encore avec certains groupes. Ça, c'est fou, quoi. Mais ça fait un an que je vous suis. Super, bah nous, on avait hâte de venir ici. Donc, tu vois, comme quoi. Avec plaisir, du coup. Du coup, moi, c'est Robin Cabaret. Je suis le batteur de ODC. Et puis, bah voilà, vive le métal. J'aime beaucoup le mec qui dit il a le nom de famille Cabaret, il dit vive le métal. Voilà, je trouve qu'il y a un petit c'est mignon. Cabaret, la musique, l'artistique, tout est lié. Est-ce qu'on te présente encore, vu que ça fait 4 ans que tu squattes à peu près nos émissions, qu'on parle de toi sur une émission sur deux? Bah écoute, figure-toi que ça fait longtemps que je suis pas venue, ouais. Parce que je suis venue avant la naissance d'Amélie. T'étais venue pour Evios, et à l'époque, on faisait l'émission sur ma table de... Ouais, parce que t'étais sur le point d'accoucher, ouais, de la première. J'étais sur le point d'accoucher. Cette fois-ci, je suis un peu moins grosse, du coup. D'accord. Et du coup, c'est surtout que à l'époque, on faisait l'émission sur ma table de salle à manger. Oui. Ouais, et ensuite, on a eu le plateau dans la cave plateau. Et maintenant ici. Tu vois, j'ai raté plein de choses. Donc, ça fait longtemps, oui, finalement. Oui, on a reçu pas mal de tes groupes entre-temps. Oui, c'est vrai. Mais ils sont venus comme des grands. Tu vois, des fois, maman ne vient pas. Mais maman les menace très fort pour qu'ils viennent. Mais du coup, donc, Elodie de Elie Promotion. Et cette fois-ci, j'ai la chance de venir sous la casquette d'attaché de presse du Plein Air Fest. Ouais. Et ça fait cette plaisir. Cette fois-ci, je ne parlerai que du Plein Air Fest. On l'avait dit dans une autre émission, mais tu es un soutien à la chaîne depuis à peu près 4 ans maintenant. Depuis que tu l'as monté. Ouais, et on l'avait dit aussi en début de saison, mais en début de saison, quand on a vu un peu la merde dans laquelle on sortait, on a fait appel à toi tout de suite, et tu fais partie des premières personnes qui ont répondu, et qui ont envoyé, genre, le train de groupe, en mode, c'est bon, on va remplir vos émissions. Donc du coup, t'es plus que la bienvenue, du coup, à la maison, ça fait plaisir de t'avoir depuis le temps. Ça Monsieur, allait. Qui êtes-vous? Que faites-vous là, et pourquoi êtes-vous sur mon lit? Éric Fillon. Je suis co-directeur de l'association Mediatan, qui est une asso qui organise plein de concerts à Lyon dans tous les styles de musique, plutôt musique actuelle, okay. Et avec une bonne part de métal quand même. Et puis, ça fait déjà 5 ans qu'on collabore avec la commune de Colombier-Saulnieu pour organiser le Plein Air Fest. Donc en fait, c'est un festival qui a été monté par la commune et maintenant, donc moi je fais la programmation du festival. Cool. De A à Z, et puis bah, toute l'équipe de Mediatone s'occupe de la communication, et puis bah, en plus on a la joie de travailler avec Elodie, avec d'autres personnes. Ça vous a pas trop tapé? Ça va? Non, on fait des vidéos. T'inquiète, ils sont à Lyon, du coup on fait des vidéos. Elle envoie juste des drones piégés, tout va bien. Et donc voilà, on s'occupe de tout ça, et c'est pas un festival de Mediatone. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres prestataires, il y a plein de gens avec qui on collabore pour organiser ce super festival,
qui est en développement et qui est, bah, voilà, on va en parler pendant un petit moment. Bah, j'ai prévu plein de questions, c'est pour ça. T'épanches pas trop, après on va répondre. C'est ça, c'est ça que. Mais du coup, c'est cool de voir que c'est une ville qui organise ça et que bah, y a des gens qui. Des assos qui viennent soutenir. Il faut pousser au cul les mairies quand elles ont des idées comme ça. Je pense au Mency, plus près, qui a pas sur la main. Dire, il faut pousser même. Chose. Mais, ah oui, oui, on va commencer les jeux de mots, mais c'est. Oui, oui, vous allez voir qu'il y a une petite ville qui va revenir. D'ailleurs, ouais, j'ai une question sur mon cul. Sinon. Salut, moi c'est Tariq de la team Mediatone et la team communication. Et on a la joie, la grande prouesse de bosser sur le plein air fest justement. Et c'est un plaisir. Moi je suis plus côté presse et donc du coup j'ai un duo formidable cette année avec Elodie. On a la chance de défendre ce festival de mon cul, du coup. Donc, on rentre doucement. On rentre doucement, très bien. Voilà, et je suis ravi de parler de métal. Mon historique vient plus du hip-hop, mais en apprenant la culture métal et en écoutant et en faisant les petites recherches qu'il faut, j'apprends à découvrir cette culture et je la trouve hallucinante. Oh, et puis, tu vas pouvoir prouver un truc très cool qu'on défend à peu près depuis 4 ans, c'est qu'on a toujours dit que de 1, la scène métal, on va dire, s'ouvre de plus en plus. On a eu au début hein, des griefs avec des gens qui disaient « faut pas écouter le reste, c'est de la merde ». Petit à petit, ça s'ouvre vraiment de plus en plus, c'est pour ça qu'on trouve des styles un peu mélangés, du trap metal et tout et tout. Mais nous, on a toujours défendu le fait que le rap, tout l'univers rap est cool, tout l'univers metal est cool, mais quand t'associes les deux, ça fait des ça trucs magiques. Ça rend vachement bien. Ça fait vraiment des c'est de la potion super nana, tu sais, tu fais « oh merde, j'ai mis ça dedans et ça marche vachement bien ». Donc voilà. On va dire beaucoup, petit coucou au chat, du coup on a Edith, Tammy, j'espère que j'ai pas arraché ton pseudo. Coucou, on a Steph de HM Ecole qui est là, donc voilà, c'est en train d'arriver, installez-vous. J'ai l'impression que la notification est arrivée un peu tard, mais vous avez rien loupé, installez-vous. Du coup, petite émission spéciale, et je vais commencer les questions qui fâchent, enfin les questions de nom. Ouais, c'est si dans le chat vous voulez donner des noms de groupes pour continuer de convertir Tariq, n'hésitez pas. Allez-y, donnez-moi la matière à écouter avec plaisir. En vrai Tariq, j'ai même un défi qui pourrait être drôle quand on se verra plus tard, c'est tu me donnes tes styles de rap préférés et je te sors tous les groupes que tu veux, métal, qui l'ont associé. À fond. C'est ce que je fais avec... Alors, c'est très 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 con, mais ça me fait très rire, c'est ce que j'ai fait avec tous nos stagiaires graphistes qui viennent. Ils sont en mode, ouais, mais moi j'aime bien le reggae. Et tu lui mets du skin dread dans les dents. Bien sûr. Et gamin, regarde, évidemment. Mais c'est trop bien. Bah ouais, bienvenue. Et du coup, bah ouais, c'est de la magie se fait quand tu mélanges les deux. C'est assez fou. Alors, on va commencer avec les questions croisées. Parce que vous allez voir qu'entre un groupe et un festival, il y a quand même pas mal de points communs. Première question, donc on va commencer avec le Plein Air Fest. Quelle est la date de création du Plein Air Fest? Ça date depuis combien de temps? Je crois que la première édition a eu lieu en 2012. Ouais, c'est 2012. J'ai 2012 aussi comme réponse. C'est 2012. Ouais, ouais. Cool. Parce que moi, j'ai pas révisé. Hein. Non, moi, j'ai non, mais là, professionnel est là. Vous avez poncé un peu les infos. On a un peu poncé le truc et on regardait les affiches hier avec Tariq, c'est 2012. 2012, première édition du festival, mais qui était au départ gratuit, qui n'était pas métal et qui était plutôt autour de la fête de la musique. Ouais. Et première édition métal était 2018. Donc la transformation et l'identité actuelle de Plein Air Fest commence en 2018. Et pour l'historique, vous pouvez aller sur le site du Plein Air Fest, il y a un petit onglet Memories. Et en fait, ça te permet de revoir toutes les affiches du Plein Air Fest du début. C'est cool. Ouais, et il vaut mieux pas regarder les affiches de 2012 à 2018. Il faut commencer en bas et remonter. Ah, sinon laissez l'heure d'en faire un petit ménage avant parce qu'il y a des groupes, on n'est pas sûr que ça vous plaise. C'est l'histoire, il faut assumer. Pour ODC. Bah, ODC, il y a un petit parallèle. Donc moi, j'ai rencontré le compositeur en 2017. Mais on va dire que la date de création pour moi, c'est le lancement du premier EP. C'est juin 2019. C'est marrant cette façon de penser. La plupart des groupes, ils considèrent que... Alors, il y a deux façons. Il y a ceux que c'est le premier EP, et ce que je comprends, parce que t'as ta première, entre guillemets, création du groupe. Ouais. Et t'en as certains, pour la création, c'est les premières répètes. Ah ouais. Tiens, ouais, ça dépend. Okay. J'ai eu un peu de tout pendant les différentes émissions, mais du coup, c'est pour ça que je pose la question. C'est vraiment l'aboutissement d'un travail, quoi. T'as bien raison. Mmh. Nous, on serait plus dans cette optique-là aussi. Notre création, c'est plutôt notre premier live, du coup. Deuxième petite question. Vous êtes combien et qui... Alors vous êtes que deux, mais dans l'asso, vous êtes combien? Et vous deux, qu'est-ce que... Enfin, vous trois, qu'est-ce que vous faites dans l'asso? Ok. Vous êtes combien et qui fait quoi à mon cul? Dans l'asso de Mediatone, qui organise Plein Air Fest, on est 22 aux dernières nouvelles. Oh. Ouais, c'est gros. Ouais. Moi, je suis dans la team com, on est 8. Dans la team com. Je te laisse imaginer ma tête quand Eric m'a dit « tu vas rejoindre le pôle com ».
Et moi, d'habitude, au Polcom, ils sont 1,5, tu vois. Et il m'a dit, on va faire une petite visio, c'est cool. Je pensais qu'on allait être 3, genre. Là, ils étaient tous attablés, comme ça, là. Juste pour préciser. Et moi, j'étais la seule en visio, c'était l'enfer. Pour préciser, on a une grosse équipe, parce qu'on organise 4 festivals, 90 concerts par an. On a un volet booking. Ouais, c'est énorme. Donc, on a aussi un catalogue d'artistes. Enfin, voilà, Mediaton, c'est toute une constellation et on a beaucoup, beaucoup de choses. Là, on vient parler du Plein Air Fest, mais voilà. Nous, on serait 22 dans la pièce, ça serait fini. Et ce qui est important de dire, c'est qu'à la base, c'est vraiment la commune de Colombier-Saunieu qui porte. Donc, c'est les élus. Et vous la soutenez derrière. C'est toutes les assos en fait, de la commune qui sont derrière, qui sont bénévoles, qui s'investissent dedans depuis des années. Nous, on est arrivés ensuite pour professionnaliser un petit peu le festival, pour lui donner un peu une identité. D'accord. J'ai une autre façon de dire ça. Moi, ce que je trouve drôle, en fait, non, mais ce que je trouve, c'est par exemple, je vois ça avec le Mency, c'est ils ont l'idée, ils posent le truc, et après, ils appellent des assos métal, et là, les mecs, ils arrivent avec des armes et des munitions, prêts à faire la guerre. Parce que derrière, t'as des mecs qui veulent défendre leur scène plus que prévu, et genre, la mairie, ils sont là, c'est quoi ces bourrins qui arrivent, t'inquiète. Non, mais c'est pas ça, il y avait des métalleux dans les élus de la commune. Voilà, et en fait, il y avait une partie en fait, des élus et des personnes qui étaient dans la commune depuis des années, qui sont nées là-bas et tout ça, qui voulaient absolument faire du métal et qui arrivaient toujours à poser 2-3 groupes de métal dans la programmation du Plein Air Fest. Mais il y en avait d'autres qui disaient « ouais, mais on va faire aussi de l'électropop », d'autres disaient « ah ouais, mais le reggae, c'est bien ». Et du coup, le festival, il avait un peu… Enfin, il n'avait pas d'allure, il était cool. Ouais. Et puis un jour, ils ont appelé l'aide, ils ont vu d'autres métalleurs, ils ont fait une édition en 2017, la dernière qu'ils ont fait seul, où vraiment, la programmation, c'était chouette, il y avait des groupes sympas, mais ça allait dans tous les sens, il n'y a pas eu grand monde. C'était pas incroyable. Nous, on était venus leur filer des coups de main pour la promo au dernier moment en disant « Mais putain, votre festival, il est sympa, mais voilà. » Mais c'est pas métal. En fait, c'est le pépin du métal, c'est qu'on est partout, on est déguisé, tu nous vois pas en première gare. Par contre, on est des bislards. C'est qu'à un moment donné, tu nous dis « Tu veux mettre un groupe ?» Oui. C'est ça un peu le « Mets ta chanson dans la playlist. » Oui. C'est ça. Voilà. Et pour parler des élus, ils ont créé l'asso qui s'appelle les sonorités de mon cul. Voilà. Ça, mais non, mais on va revenir sur mon cul parce que ça va nous faire la soirée. D'ailleurs, je propose dans le chat, on va y aller tout de suite. Hein, les plus beaux jeux de mots de mon cul, on se débrouillera, on vous fera gagner un truc ce soir. C'est parti. Du coup, vous êtes combien dans le groupe et qui fait quoi? Eh bien, écoute, donc nous sommes 4 sur scène. Donc chanteuse, batteur, bassiste et guitariste. Et il y a également les hommes de l'ombre, exactement, donc le compositeur et le parolier, donc avec lesquels en fait j'ai créé le groupe, donc on est 3 fondateurs, et avec lesquels on travaille tous les 3 sur les compos. Oui, ouais, on est très liés, on est complètement alignés, et voilà, et les gars après amènent leurs pattes. Une fois que les compos sont créés, il y a des échanges et il y a des modifications qui sont faites par rapport à leur retour. C'est cool, ça sent un peu l'ordinaire, parce que si on regarde les anciennes générations, tu avais déjà beaucoup de paroliers. Genre, tu apprends que Johnny Hallyday, il a écrit aucune de ses chansons, par exemple. Mais par contre, il s'avère que d'année en année, tu apprends que les paroliers, à l'époque, c'était pas la joie, en fait. Hein. Ils s'entendaient pas forcément avec les artistes. Je préfère voir, tu vois, comme tu dis... une relation un peu plus saine. Là, c'est des amis. On est très très liés. On se connaît extrêmement bien. Ils savent exactement ce que je souhaite. C'est pour ça que ça fonctionne. Bien sûr. Dans le chat, on nous dit mon cul vous écoute ce soir. Merci les gars. Trop de jeux de mots possible. Oui, mais c'est terrible. Il va falloir franchir un autre level là. Ouais. Parce que là, c'est moyen. J'ai dit 2 sur 10. Ouais, exactement. Vous pouvez être meilleur. Franchement, et les meilleurs seront réutilisés dans la com de l'année prochaine. Est-ce qu'ils gagnent des places pour le Plein Air Fest ou pas? On peut faire ça. Jeu de mots sur mon cul gagne 2 passes. J'en ai un en régie qui va sortir son PC portable pour les noter, tu sais. Ouais, il faut un petit peu pousser la créativité des personnes. Oui, parce que ce soir, on a la régie au taquet ce soir qui est en feu parce que, comme je vous l'ai dit, émission spéciale, on a refondé toute l'émission, on a refondé tout ce qui va apparaître à l'image. Ce soir, ça va être full clip, par exemple, vous allez pouvoir kiffer. On va se prendre des strikes de partout, mais on n'en a rien à foutre, on le savait, c'est prêt. Donc voilà, on a une régie qui est méchamment au taquet ce soir. Petite question croisée, mais qui, moi, me fait marrer, parce qu'on va voir un peu les débuts d'interaction. Quand est-ce que le festival a entendu parler pour la première fois d'ODC? Oh, alors, mais j'ai travaillé. moi j'ai entendu parler d'ODC par un ami qu'on a en commun avec Célia, qui fait également partie du Metal Social Club et qui était
qui est mon copain Damien, avec qui j'étais à l'école maternelle. Oh la vache! À la tour de Salvani. Et bon, ils n'ont pas changé, voilà. Ils sont toujours copains et métalleux. Et donc, il y a un moment où Damien, bah, il a commencé à écouter un peu du métal extrême, etc. Donc, il me faisait passer les disques. Et puis, il t'a traîné chez lui. Et puis, voilà, c'est vrai que c'était un peu mon pote qui écoutait les trucs les plus extrêmes. Donc, il m'a fait découvrir plein de groupes et tout. Et puis, bah, on est resté en contact plutôt de loin, assez. Enfin, il habite maintenant assez loin de moi, donc on ne se voit pas très souvent. Et on s'est recroisé plusieurs fois, et notamment au dernier Hellfest. Et voilà, et puis bah, il m'a parlé de ODC, il m'a dit ouais, c'est super et tout, faut que t'écoutes. Et donc, bah, j'ai trouvé ça super, et puis on l'a programmé. Tu viens de dire un bout d'histoire où je m'en veux, parce que le pote qui écoutait du Sublime Cadavérique des compositions, qui passait le CD à ses potes, c'était moi. Je suis désolé pour tous ces potes. T'as eu ce rôle aussi, t'as ouais, 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 non, mais clairement, moi je grindais tous les trucs les plus crades, et après ça me pas écoute, c'est cool. Et comme j'avais jamais le permis, j'étais celui qui mettait le CD, qui terrorisait toute la voiture. Je suis désolé, je m'excuse, hein, mais voilà. Du coup, c'est cool. Par contre, du coup, ça me fait rire parce que du coup, vous avez dû commencer très jeune. Et la passade métal, bon, c'est resté quoi. C'est juste un passage, c'est un peu resté. Mais un peu, ouais. Ça se voit. C'est tellement resté que le mec s'est investi pour avoir un festival métal aujourd'hui. Enfin, les cheveux, en fait. Il a jamais coupé ses cheveux et aussi. Du coup, la musique est restée. Tu vois. C'est une tradition chez nous, la bière et les cheveux. La bière et les cheveux. Et du coup, la petite question, quand est-ce que ODC a entendu parler de ce festival? Bah écoute, réciproquement, c'est Damien. Damien, si tu nous écoutes. Mais Damien, c'est le GOAT, il aurait dû être là ce soir. Bah oui, Damien, où es-tu, Damien? Ouais, c'est Damien qui m'a parlé du Plein Air Fest et voilà. Et qui nous a mis en relation avec Eric. Donc merci beaucoup, Damien. Effectivement. Comme quoi, le monde de la musique est petit, le monde du métal est encore plus petit. Tu pourras venir au festival. Ouais, ouais, non, mais Damien, c'est pas fait. Non, mais attends, il faut le tapis rouge quand il y en a. Non, mais attends, Damien, en plus de ça, il a été mécène sur le festival cette année. Ah oui, donc non, mais il vient au festival. Non, non, mais alors, non, Damien, merci pour tout. Ah ouais, non, mais ce que je dis, Damien, quand il rentre, il lui faut les trompettes. Tu sais, t'as un mec qui fait un truc un peu sympa. Tapis rouge, le tapis parce de Damien. Ce que je te dis pas, c'est que sur les 22 bénévoles de Mediatone, il y en a 10 pour Damien pour quand il arrive. Voilà, c'est ça. Ils mais sont là pour porter le siège et tout. Il sait pas qu'on parle de lui. Oui, il sait pas, mais il verra la route. Oui, c'est clair. Alors, sur le fil rouge, on a deux propositions qui me font marrer. On sera tous dans mon cul début juillet. Facile. Elle est facile. On l'a déjà faite. Et on a dit, on a une vraie question de Steph qui nous dit, faut-il demander le consentement pour visiter mon cul? Je pense, le maire est peut-être pas... Ah, c'est pire, ouais. Mais celle-là, c'est presque une phrase de com' qu'il faut mettre à l'entrée de la ville, en fait. Si... Moi, je suis le maire, je pense ça à l'entrée. Ouais. On pourrait faire une bravo. Attends, comment il s'appelle? Bravo la personne qui... C'est Steph de Isomical. Steph, bravo. Steph, on aime beaucoup d'ailleurs, ce que tu fais. On va faire une campagne de prévention basée à partir de ça, ouais. D'ailleurs, gros merci à Steph de Isomical parce qu'il est en train d'organiser pas mal de concerts dans une petite salle qui s'appelle le Bard Atomique. Le Bard Atomique. Et il faut vraiment que j'y aille parce qu'ils ont des concerts de... Donc 78? Ouais, c'est 78. Et il y a même une bonne partie du groupe qui a rejoint notre équipe à nous. Ok. Récemment. Cool. Donc, une grosse histoire d'amour avec ce groupe. Voilà. Okay. C'est un petit plaisir. Dernière question dans les questions croisées. On pourra peut-être faire une pause musicale ou un questionnaire. On verra selon ce qu'en pense Clément. Pour un festival, ça représente quoi un groupe? Oh là. Wow. Je vous avais dit, je l'ai préparé depuis un mois et demi celle-là. C'est ça qui avait droit. C'est la tienne. Ouais, non, mais... Un groupe pour un festival, ça représente l'essence même du festival. C'est, pas tous les festivals pensent comme ça, mais je t'en prie, débraye, tu me fais plaisir là. Sans ce groupe, sans ce line-up de festival, sans cette envie que tu as de programmer un festival qui va correspondre au maximum de personnes, autant en découverte qu'en tête d'affiche, etc. Les groupes, c'est, je sais pas comment dire, c'est les ingrédients de la recette magique du festival. Si tu le sélectionnes, si tu fais tu peux faire une très mauvaise recette et amener un line-up qui va pas trop plaire. Si ton festival marche bien, l'ambiance est cool, c'est quand même un festival. Mais c'est l'artiste qui va amener la plus-value parce que en festival, l'artiste il tourne souvent en été, donc il passe d'ambiance en ambiance. Ouais. Et les festivaliers et toutes les équipes sur place du festival amènent l'énergie. Et tu vois, cet amour transmis entre bénévoles, la personne qui te sert une bière, entre la personne qui accueille l'artiste, etc. Mmh. C'est un mood très très particulier le festival. Et les artistes, bah, on est là pour eux, donc forcément, on veut les mettre bah, au top pour qu'ils puissent enjailler le public au mieux. Quoi. Et puis, le festival aussi en artiste, c'est le côté, bah, tiens, je vais marcher vers là-bas. Ah tiens, il y a un groupe que je connais absolument pas. Qu'est-ce que c'est? Bah, le groupe va peut-être convaincre en 5 minutes cette personne, et tu passes de 200 personnes à 1000 personnes, et puis
Ouais, je pense qu'on essaie la même réponse, mais le côté festival et groupe, enfin le côté festival j'ai la même question pour eux. Le côté festival et salle de concert, c'est vraiment. C'est justement un discours qui me plaît. On attend avec impatience les festivals. C'est justement un discours qui me plaît et que j'aimerais que plus de salles appliquent. Parce que le Covid a amené un truc où maintenant les salles s'en foutent un peu des groupes et les considèrent plus comme le moteur en fait, du concert. Tu peux pas dire, tu peux pas généraliser pas toutes, ça. Mais ça arrive. On travaille avec beaucoup d'équipes qui gèrent des salles et qui sont pas du tout dans cette Je dis pas, je dis que j'en ai croisé quelques-unes et que ça m'a très vite énervé. Ils m'ont vu râler et ronchonner dans le fond. Ouais, très mais très du fort. Coup, c'est des mauvaises salles, il faut privilégier les salles plus sympas. Je l'ai pas fait exprès à l'époque. On est tombé dedans par hasard, on a fait ah, plus jamais. Moi je tiens juste à dire qu'en tant que programmateur du festival, du coup, je passe 6 mois de ma vie à ne penser. Enfin, à penser énormément tous les jours au festival, au groupe, qui j'ai envie d'accueillir, pourquoi, quel équilibre. Si t'as le meilleur boulot du monde ou la plus grosse prise de tête. C'est hyper difficile. Il n'endort pas. Hein. Parce qu'il faut arriver à la fois à trouver des groupes qui peuvent faire venir du monde, il faut arriver à donner une identité globale, il faut arriver à faire jouer des groupes qui sont jeunes et qui sont talentueux, mais qui n'ont jamais, qui vont pas forcément ramener beaucoup de monde, mais qui vont convaincre les gens sur place. Ouais. Il faut qu'il y ait une diversité. Moi je fais attention à faire aussi pas mal de groupes avec des chants lead féminins parce que je trouve que c'est important. Il y a plein de choses, j'aime bien les projets crossover. J'ai pas envie que le festival soit catalogué comme un festival de heavy metal ou de thrash ou de folk metal. Il y a quelques festivals qu'on fait erreur d'ailleurs. Et c'est pour ça que avec la deuxième scène qui n'est apparue qu'en 2022, grâce à la deuxième scène, ça donne beaucoup plus de possibilités. Ouais. Mais tout est complexe dans l'équilibre à trouver et bon ben. Il y a un moment, il y a des choses qui nous échappent, il y a beaucoup d'envies de groupes qui ne vont pas au bout pour des raisons économiques, de timing, de plein de choses. Ouais, mais au final, il faut arriver à retomber sur ses pattes et à avoir un... en tout cas, chaque groupe est essentiel pour le festival. Et chaque nom qu'on va faire apparaître sur l'affiche, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on en soit fier. Il faut qu'il y ait un sens à tout ça. On en reparlera ce soir, mais en plus, là, le Plein Air Fest, cette année, vous n'avez pas été radin. Quand j'ai vu tous les groupes. Sur la pointe, tu veux dire. Mais non, c'est pas ça. Je veux dire que pendant que j'écrivais l'émission et que je me faisais chier à chercher les questions les plus tordues du monde pour vous faire chier, j'ai quand même été voir tous les groupes et j'ai fait ah ouais, d'accord, il y a du monstre, mais il y a de la scène émergente. Est-ce que tu connaissais pas sur l'affiche? On en verra un peu plus tard, il y en a quelques-uns que je ne connaissais pas, mais que maintenant je connais, parce que du coup je suis allé me taper des playlists. Ah bah oui, mais mon métier consiste à 90% du temps à bouffer du métal pendant que je fais des mails, donc tout va bien. Petite question du coup, pour le groupe, qu'est-ce qu'un festival ça représente pour vous en fait? Parce que vous connaissez le studio, la scène, mais un festival, qu'est-ce que ça représente? J'avoue que jouer dans un festival, j'ai fait une fois en jazz moi, parce que je fais aussi de la batterie de jazz. Cool. Okay. Moins vénère du coup je pense. Moins vénère, plus subtil. Ah, c'est un jazzman. Ouais, je suis un jazzman aussi. Tu sais, quand il va dans ce groupe de jazz, il fait tout à une main. Il a commencé le métal avec ODC. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est mon premier vrai groupe métal, donc j'apprends aussi avec ça. Mais en termes de festival métal, du coup, j'en ai jamais fait. Oh. Mais par contre, j'ai hâte, parce que je sais pas trop quelle ambiance ça va être. J'ai fait juste un mini-fest, c'était un festival qui était en novembre, là, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais où c'était? Dans le 77. Metal Sphere, je crois. Ouais. Ah voilà, oui. C'est ça. Bah, il y avait 1050, justement. Et du coup, je suis allé les deux jours et j'ai vu 6 groupes au total. Et en fait, je me suis imprégné de tout plein d'univers différents. Et j'ai trouvé ça trop bien d'avoir tout plein de groupes avec plein de styles. Et où le festival, il avait quand même une essence hyper intéressante, quoi. Et du coup, je me suis dit qu'avec un festival avec encore plus de groupes, il doit y avoir un lien, un truc qui fait que tout le monde y va et se retrouve et écoute des trucs différents. Et... J'en profite pour faire un petit coucou à un streamer qu'on connaît bien, j'ai perdu ton pseudo, je suis désolé, mais il fait partie du Metal Expert, on l'avait rencontré là-bas. Okay. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'entre streamers, on se connaissait. Et quand on s'est croisé, quand il nous avait croisé là-bas, il nous avait accueillis comme des rois, alors qu'on était connus par tout le monde, et lui avait prévenu tout le monde que Fréquence Metal venait. Vous avez un petit souci en régie? Et moi, ce que je veux rajouter... Et du coup, oui, est-ce que tu as fait des festivals, toi, en tant que chanteuse d'ODC? Oui, on en a fait... On a fait des petits festivals, on avait fait le K-Fest, qui était un... C'est pas si petit... Oui, il est bon. Au début, il était... Alors Marc, t'as fait la version dans le jardin des parents, ou t'as fait la version... Oui. Du coup, c'est pour ça que tu disais ça. Il y avait 300
Il y avait 400 personnes dans ce jardin. Ouais, voilà. Ouais. C'est dommage, mais c'est un petit festival dans un jardin de 400 personnes. Mais parce que, tu sais, à la base, le Cave Fest, à la base, Céline l'avait monté dans la cave de ses parents. Et ensuite, c'est devenu dans le jardin des parents. Et maintenant, il n'y a plus de place. Du coup, c'est au château de Gisors en Normandie. Quand on vous dit que la plupart des projets démarrent dans un parking ou dans un garage, c'est pas une blague. Moi, j'y suis pas allé parce que je crois que c'était en même temps que le PNR. C'est en même temps que le PNR. Moi, c'est le garage. C'est décalé d'une semaine. Non, en fait, vous avez décalé en même temps. Du coup, vous êtes encore en même temps. Du coup, pour toi, tu l'as vécu comment? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on... le challenge, c'est justement d'attirer les gens qui sont venus, pas pour toi, justement. Et la plus grande joie, c'est au fur et à mesure que les gens commencent à venir te voir, à t'écouter, et de réussir à les engager, quoi. C'est vrai que pour le chanteur, en tout cas pour moi, à chaque fois, ce que je souhaite, enfin, mon but, c'est à chaque fois d'arriver à attirer le public. C'est marrant parce que j'aurais dit que, honnêtement, parce que je ne suis pas artiste, donc je ne suis ni doué pour la voix ni pour le reste, j'aurais dit que ça aurait été déjà dans un premier lieu d'attirer tous vos fans pour les rencontrer. Mais du coup, tu prends le problème à l'inverse en disant je vais attirer les gens qui ne nous connaissent pas. C'est super cool comme idée en fait. Bah oui. C'est mieux, ouais. On va dire que ça, c'est le succès. C'est-à-dire que si tu arrives à faire que les gens bougent d'une scène vers la tienne et qu'ils restent, c'est le succès, ça veut dire qu'ils ont accroché. C'est un très bon test aussi pour les compos. C'est-à-dire que, est-ce que face à un public qui ne me connaît pas, ça va accrocher? Après, en effet, là, il y a des fans qui ont pris leur billet et ça va être une super belle manière de les rencontrer. Dans la région lyonnaise, on a pas mal de fans. C'est que Lyon, c'est bien métal, donc ça va être. On est très très content d'aller. J'ai la moitié de ma famille qui est dans le coin et j'y suis pas. Et il y a un autre truc aussi côté artiste, comme la question que tu posais. Il y a un fait, c'est qu'en festival, les artistes se rencontrent aussi. Mmh. Dans le sens où t'as beaucoup moins ce côté salle, première partie, chacun sa loge, etc. En festival, tu vas beaucoup plus rencontrer les autres groupes. Beaucoup de collabs partent de rencontres de festival. Ouais. Les médias se gavent aussi là-dessus. En fait, c'est vraiment ce mot-là, festival, c'est une ambiance à part entière qu'on attend tous chaque année. Parce que autant côté artiste que orga, que festivalier, que bénévole, c'est que du bonheur. Un truc très drôle, le dernier petit festival qu'on avait soutenu, on leur avait envoyé la tête d'affiche. Parce qu'ils cherchaient une tête d'affiche, on leur avait envoyé un groupe qu'on kiffe. Et le groupe me disait, nous en ce moment on est un peu en vase creuse, en moment creux, il se passe rien pour notre groupe. Et pareil, ils avaient discuté du coup avec toute l'équipe, avec tous les groupes, et ils ont monté une tournée de 20 dates derrière. Tu dis ouais, parce que voilà, un très bon groupe aussi. Mais du coup, oui, il y a plusieurs choses à vivre dans un festival. D'où le fait que je pose la question parce que. Merci. On a un voisin qui vient de claquer une rupture, tout va bien. J'espère que vous ne l'avez pas entendu au micro. Mais du coup, oui, il y a plusieurs façons de voir ça, en fait. Tu as le public, tu as rencontré d'autres groupes, tu as une ambiance à vivre. Tu as l'équipe du festival qui, des fois, travaille sur plusieurs projets, donc tu as moyen de vivre d'autres choses. Et ça qui est assez fou, en fait. Puis tu as une prédisposition à la découverte. Ça, c'est génial. Tu es face à des gens qui sont ouverts, qui ont envie. Et là où je tiens à féliciter vraiment Eric et toute l'équipe, c'est la diversité des groupes. Et en tant que chanteuse, en France, quelquefois il y a des dérives avec les groupes à chanteuses. Moi, je ne veux pas être classée là-dedans, je chanterai que d'hommes. Et ma musique n'est pas féminine, je chante. Là, toi, tu mélanges et les styles et les genres, c'est génial. C'est-à-dire que là, je ne suis pas parquée avec des femmes. Et je ne suis pas parquée avec du sympho. C'est-à-dire qu'on joue avec des... Non, c'est vraiment l'objectif. Ouais. Mais tu vois, c'est génial. On joue avec des choreux, avec du heavy metal, avec Crysix. Enfin, c'est top. Et ça, c'est assez unique. Sauf que t'es dans le public et que les choreux débarquent. Parce que là, t'es mort, mais sinon, je déconne. Non, mais c'est génial. Ouais, c'est vrai. Voilà, on est... Ça me rappelle. Mais c'est unique. Enfin, ça me rappelle le Hellfest quand il n'y avait pas la Warzone et que les coreux débarquaient pour l'EMI. Tout le monde s'écartait en mode non, mais laissez le passer. C'est un autre peuple. Non, mais en vrai, oui. Et il y a pas mal de festivals qui ont fait l'erreur de trop se spécialiser et qui l'ont regretté quelques-uns. Est-ce que c'est une erreur? C'est parce qu'ils ont choisi de se spécialiser, tu vois. Maintenant, je trouve que la mode est plus, ça serait bizarre. Les gens, quand ils vont dans un festival, ils ont envie de manger un peu à toutes les tables. Ouais, mais tu vois, il y a des trucs, c'est hyper installé. Genre, celui qui me vient en tête, c'est l'Extreme Fest à Toulouse. C'est un festival de hardcore depuis le début. Ça serait trop bizarre d'avoir un groupe de heavy, quoi. Chaque festival a son identité. Il y a une ligne directrice. Et là, ce qui est chouette, c'est ça, tu vois. Mais après, il faut savoir que la programmation du Plein Air Fest, elle a pas mal bougé. Moi, j'ai des personnes qui me disent
ouais, l'année dernière ça me parlait pas, cette année ça me parle, ou au contraire, l'année dernière c'était génial, alors là par contre, je sais pas, vous êtes parti dans des trucs. Parce qu'en fait, moi j'essaie de, de varier aussi. C'est Calogero qu'ils ont pas aimé, t'aurais jamais ouais. Mais non, mais voilà, il y a des choses qui. Il y a quand même, selon les choix que tu fais, il y a quand même des choses c'était qui. C'était le côté face à la mer à l'aéroport, ouais, ils ont pas compris. Tu es en plein milieu, t'as Calogero qui se fait. En parlant justement de Calogero. Alors non, pas du tout, parce que. Je l'ai au coin de la rue. Je l'aime grande, bien, mais... grande parole, Calogero, je joue de la musique. C'est ça, mais il nous doit, la dernière chanson. Nous, chez nous, il nous doit encore un merci parce qu'on l'a tagué sur une photo avec un poème de Punky. D'ailleurs, je le retiens, tu t'es jamais vu, je l'avais vraiment tagué en officiel en plus. On aime bien troller jusqu'au bout. En parlant de ça, du coup, on va découvrir un peu la musique qui va passer avant le festival parce qu'on va se faire une pause musicale. Est-ce que la régie est prête à nous envoyer deux clips ce soir? Yes. Et qu'est-ce que tu vas nous envoyer, mon petit Clément? Tu sais pas au hasard? D'accord, bah du coup, la régie a prévu de vous envoyer donc deux clips. Ça sera deux groupes qui passent en festival. Vous allez découvrir ça en direct. Et la régie a prévu un truc un peu au hasard. Donc vous allez kiffer les deux clips de suite. Vas-y mon Clément, coupe le micro, envoie ça et on se retrouve juste après. N'hésitez pas à envoyer vos questions et les compliments, bien sûr, toujours dans le chat. C'est on est toujours... Et les phrases sur mon cul. Ouais, et les phrases sur mon cul, ce qui est un concours.
Du coup, ça veut dire à la régie, est-ce qu'il serait pas temps pour me balancer un petit jingle et vérifier. Petite question dans le chat, est-ce que vous entendez les bruits de la rue, savoir si on ferme ou pas la fenêtre? Voilà, merci. Est-ce qu'on peut avoir un petit jingle? Ah. C'est hip-hop, ça. Mais toujours, nos jingles n'ont rien à voir avec l'émission, c'est une balle. Ah, je crois que c'était en blind test, moi j'étais au taquet là direct. Ah non, parce que des fois on va avoir ça, des fois on a du funk ou des fois on a vraiment du rétro porno de 60, mais ça nous fait mourir de rire, voilà. Premier petit questionnaire, vous allez devoir répondre chacun à votre tour et ça va permettre de connaître un peu mieux les festivals, de savoir comment on vit dedans. Le premier que c'est s'appelle la survie en festival. C'est quelque chose qui se prépare. Du coup, on va commencer par toi, demoiselle, et tout le monde va suivre ensuite. Sauf moi, bien sûr, je réponds pas à la question. Première question, les trois objets indispensables pour toi en festival. Attends, est-ce qu'on a le droit de dire les mêmes quels ou alors faut changer? Bon, faut essayer de changer, mais si t'as les mêmes, c'est pas grave, ça peut se comprendre. Voilà. Une bouteille d'eau, mon retour, mes retours, la chanteuse, et mon micro. Pas mal. Ok. Moi j'allais dire lunettes de soleil, bière et des baguettes de batterie. Le vacancier, j'adore. Le touriste. On dirait l'allemand sur la plage, t'as pris une chaussette, on est parti. Ok, moi je suis festivalière avant tout, donc ça va être plutôt côté festivalier, mais la tente pour camper est très important, avec son meilleur copain, le matelas gonflable, et du coup, pour faire un truc un petit peu rigolo, qu'est-ce qu'on pourrait emmener d'autre? Je dénoncerai personne qui a fait ça. Ah si, il y a un truc qu'il faut maintenant sur les festivals que vous n'aviez pas avant, c'est le petit masque pour te protéger de la poussière avec écrit Rock in mon cul. Parce que on a. Oh, c'est beau. Disponible pour le merchandising de Père. Je savais que ça partirait pas. J'ai envie de dire le plus beau t-shirt du festival, des bonnes godasses et le line-up du festival toujours à porter. Ah, ouais, c'est trop ce que je trouve marrant, c'est que c'était le premier à dire des bonnes godasses, alors qu'en vrai, tu fais ton premier festival et après tu dis, ok, je comprends, chaussures de randonnée pour tout le monde, c'est parti. C'est ce que j'appelle des bonnes godasses. Ouais, voilà, t'as raison. Moi, j'allais dire line-up, mais du coup, je vais changer. déjà, pour un festival, la ta place casquette. Du festival. Comme c'est ça, une bonne idée. Ouais. C'est fait, quoi. Moi, je me bats toujours avec, tu sais, une petite barre céréale. Tu vois, un petit shot à un moment donné où tu sais qu'il y a du monde pour les burgers, il y a du monde là-bas, ok, je peux temporiser. Tu vas t'endormir devant Dream Theater. Ouais. Un peu de sucre. Et après, pour la prévention, je dirais des bouchons d'oreilles. Pas mal. C'est important, les bouchons d'oreilles. On sent, tu vois, les mecs qui organisent. Ils sont plus sécuritaires que nous avec chaussettes, tongs et un gobelet pour la bière. Nous, on a rien compris à côté. Ah, non, bah, moi, je suis typique comme ça. Festival, je suis parti sans matelas. Je l'ai regretté. Il y a Clément qui se fout de ma gueule dans le fond, il a raison. Il y a du foin dans mon cul, donc tu pourras te mettre. Ah, parfait. Pour une fois que ça rebousse, c'est la première fois que je fais ça dans le foin. Alors, Tariq, on va continuer avec toi. Première chose à faire quand tu rentres en festival. Sourire. Oh, joli, bravo. Très beau. Quand tu rentres en festival, moi je dis bonjour à tout le monde. Bien. C'est trop mignon. On nous dit pour un bon festival à mon cul, évitez de rentrer de force. Ah ouais. D'ailleurs, on a pas répondu à la personne tout à l'heure. Oui, il faut demander le consentement pour rentrer dans mon cul. Le maire est pas très tapé. On a vérifié et ouais. Première chose que tu fais. Mais il m'a piqué ma phrase. Attends, la première chose, non. D'abord, tu dis bonjour, après tu montes ta tente, mais du coup, c'est déjà pris. Bon, après, la famille, tout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, de toute façon, en général, le festival, il démarre. Tu t'es déjà mis une cuite la veille quand t'as installé ton copain avec tes potes. Du coup, je dirais que le premier truc à faire quand t'arrives sur le festival, c'est de courir pour pas rater ton groupe préféré. Pas mal. Qui est sûrement j'ai déjà vu t'allais dire vomillant. Après, on rattaque la journée. Une grande pente d'eau. En tant qu'artiste, je dirais rencontrer les autres groupes qui sont là. Discuter. Ah, bon. Très bon réflexe. Communiquer un peu. Moi, en tant que festivalière, c'est faire le tour de toutes les scènes. Un peu au début, tac, je teste. Ouais. Ça, j'aime bien. Voilà. En tant qu'artiste, rencontrer les organisateurs, si je peux. Mais on a un groupe poli ce soir. Depuis 4 ans, on donne des conseils aux jeunes groupes. Vous mettez-vous bien avec les amis, mettez-vous bien avec les autres. Et vous êtes le bon exemple, en fait. Ça fait plaisir. C'est un bonheur de vous avoir ce soir. On continue quoi avec toi? La chose qui te manque le plus quand tu es en festival? Le sommeil. Pas mal. Moi, j'avais une autre réponse, mais pas mal. Qu'est-ce qui manque le plus?
le sommeil, c'était une très très bonne réponse quand même. C'est dommage, hein. Ouais, tu me chiant, hein. Super. T'as plus rien à dire? Oui. C'est emmerdant. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu vas trouver? Arrête. Qu'est-ce qui manque le plus en festival? On nous proposait, premier truc, c'est aller se chercher une bonne bière. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, ouais. Mais non, mais toi, tu vas répondre. Du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et toi, t'as jamais le temps d'aller tout voir. Trop poétique, moi j'aurais dit une douche. Poétique, et bah du coup je sais pas, qu'est-ce qui me manque, tu peux me piquer le plus? Mais non, parce que moi j'ai toujours une douche en festival. C'est menti. Je suis devenue un peu princesse quand même, mais je campe toujours. Donc, voilà. Ah mais si, je sais ce qui me manque le plus en festival, c'est seulement depuis l'année dernière que j'ai ma lampe. Tu sais la lampe Décathlon que tu tournes là. Ah oui. Et bah avant ça, et bah le moment où t'as plus de batterie sur ton tel et où tu dois rentrer. Mais en fait, il est 4h du mat, tes potes t'ont lâché. Parce que, évidemment, à un moment, t'as dit soirée, on était pas de lâché. C'est plutôt une racine d'arbre au milieu. Et là, il y a l'arbre et paf la tête. Tu vois. Oui, c'est des... il y en a un qui se fout de ma gueule au fond parce que t'es en train d'enchaîner les. Voilà, tout va bien pour toi. Écoute, moi, en festival, ce qui me manque le plus, on va dire mes filles. Mais comme, oh, c'est trop mignon. Non, vraiment. Mais c'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai parce que je vais les amener au festival. Ah, elles ont quel âge? 8 ans et demi. Ah ouais, du coup, le gros casque, t'as prévu le gros casque rouge de chantier? Non, mais elle se démerde. Je les lâche, et puis elles font le tour des scènes, et puis on verra. Tu leur mets juste un AirPod pour les retrouver. Oui, oui. Elles écoutent du métal ou pas? Bien elles sûr, mais attends, elles ont le père qu'elles méritent. Au biberon, elles ont été. Moi, j'ai appris que ma petite nièce, elle pogotait déjà dans le ventre de sa mère. Ça va très vite à cet âge-là. Mes filles m'ont dit, on te promet que quand on sera grande, on n'écoutera pas du hip-hop, désolé, mais qu'on n'écoutera que du rock et du metal. C'est bien, j'espère que t'enregistres. Bah après, c'est des... Ouais, mais j'enregistre beaucoup de choses. C'est rigolo qu'elle l'ait dit, tu vois, parce que moi, Amélie, elle a 3 ans, elle a dit non. Mais c'est pour me faire plaisir. Tariq, du coup, pour toi, qu'est-ce qui te manque le plus? Un peu dans la même ligne d'aide, je dirais, ce qui me manque le plus en festival, c'est les potes qui n'ont pas voulu venir. Ou les potes qui sont pas là. Qu'on appelle traditionnellement. Tu sais, quand t'es dans la fosse, tu bois une bière avec des gens, tu te marres bien et tu te dis ah putain, il aurait dû venir, il est con. Tu sais, le mec qui travaille, le seul de la banque qui travaille, tu vois, putain, il est pas là du coup. Généralement, c'est moi ce mec-là, je suis désolé. Alors, petite question qui est drôle cette fois-ci, mais tu fais combien de kilomètres en festival? Waouh. Ah, celle-là. Ben en fait. À la journée ou au festival? Ah, tu choisis. Tu peux me dire à la journée ou en plusieurs jours. Moi, j'ai un chiffre qui m'avait effrayé. Bah personnellement, en tant qu'orga, tu fais beaucoup de pas, beaucoup. Quantifier ça au plein air fest, le site, je sais pas, sur une soirée, tu fais peut-être, je sais pas, je dirais 50 bornes peut-être, suivant. Ouais, c'est pas fou. Moi j'avais, non, en tant qu'orga, c'est pas faux. Je te dis ça parce que moi j'avais fait le calcul. Et j'avais fait au même site, en une journée, j'avais fait 25 km. Ah, c'est pas étonnant. Et en vrai, ça va vite. Donc 50 en tant qu'orga, c'est normal. On essaiera cette année. Moi, je pense... Tu te rends pas compte, mais t'es un sportif dans l'âme. Ouais. Moi, je pense que au plein air fest. Parce que... Tu choisis. Ouais. J'ai compté les deux jours. D'accord. Donc 25 par jour, c'est bon. Moi, je pense que je marche beaucoup moins au plein air fest qu'au Hellfest, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, il y a les deux scènes qui sont juste l'une à côté de l'autre. Et puisque tu as loué ton scooter aussi. Bien sûr. Et voilà. Non, mais je sais pas, moi j'aurais dit 5 km. Tu vas les passer. Mais je me sous-estime peut-être. Oui. Mais on regardera. On va regarder. On fera ça. Quand tu rajouteras les kilomètres à courir après tes gosses, tu verras. Ça va être compliqué là. Le AirPod qui court dans la foule, c'est trop bien. Pour toi, Ellie. Moi, je compte pas en kilomètres, mais tu sais, l'année dernière, j'ai emmené au Hellfest, du coup, une petite application qui s'appelle Pikmin, et je plantais des fleurs dans le Hellfest avec mon application qui compte les pas. Vous en avez rien à foutre, je sais. mais du coup, j'ai planté des fleurs Pikmin? Un peu partout. Ouais, c'est Pikmin, c'est comme le jeu Pikmin. Ah, okay. Ouais. C'est un truc inventé par les gens qui inventent ce genre de choses, tu sais, comme Pokémon Go et tout ça. Non, mais Pikmin, moi, je plante des fleurs. C'est un jeu qui était génial. Et donc, du coup. Mes histoires de fleurs, finalement, on s'en fout pas parce que je sais que au Hellfest, sur une journée, je fais 45 000 pas par jour. C'est beaucoup. On se rend pas compte. Le reste de l'année, quand j'atteins 5 000, je suis une guedin, tu vois. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout les chiffres, mais que j'en ai pas fait encore. Plante des fleurs. Peut-être que je vais installer Pikmin. T'en fais même pas beaucoup sur scène, vu que t'es calé derrière là. Tu peux pas te balader avec la batterie. La double pédale. Ah oui, c'est vrai, ça te fait des pas. Ah oui, ça te fait des pas, ouais. Faudrait que je compte avec le téléphone dans la poche. Ouais. La double, combien de coups de double je fais par concert. Tu vas à Marseille avec. Je me déplace, en fait. Donc, je sais pas encore. On a Axor qui nous dit, il nous avait dit plein Hellfest, j'ai fait 25 000 pas. Hellfest, 35 000 pas. Ça monte très vite. Ça monte vite, ouais. 35 000 pas, tu vois, c'est énorme.
Bah, je pense en tant que festivalière, moi je bouge beaucoup, donc j'ai aucune idée, mais moi je bouge tout le temps. Donc, j'adore switcher. Ouais, j'en sais rien. C'est normal. Si tu fais ton marché, entre guillemets, tu es groupe, puis un autre, puis un autre. Ouais, j'aime... ouais donc du coup, j'en sais rien, mais je bouge beaucoup. Moi j'avais halluciné parce qu'en fait j'avais remis ça donc en kilomètres, parce que j'avais remarqué qu'en une journée de festival, je faisais presque le nombre de kilomètres que je fais par semaine. Ok. T'étais là en mode, ah ouais, quand même. Et après, tu comprends pourquoi après tes 3 jours de festival, t'es ratiboisé, t'en peux plus. Je suis souvent au camping aussi. Du coup, on va enchaîner avec Tariq, comme ça on laisse la demoiselle se moucher tranquillement. Dernière question pour toi, le souvenir que tu achètes forcément en festival. Une nouvelle casquette. Est-ce que vous avez déjà vu un Tariq sans casquette? C'est non. Une vraie question pour moi. Non. Bah, le souvenir que je prends forcément, en vrai, ouais, je vais voir forcément au merch et le premier truc que je regarde, c'est est-ce que les casquettes sont chouettes. Et si elles sont pas chouettes, j'en prends pas. Tu changes de festival. Ouais, je me dis, oh, franchement, leur merch, c'est de la merde. Je regarde même pas les t-shirts ou quoi. Non, je dirais casquette, hein, franchement. Ouais. Casquette, ok. Casquette, ouais. Et puis la meilleure casquette que j'ai de festival, je l'ai gagnée à la pêche à la ligne. Quel est ce festival qui a mis une pêche à la ligne au milieu? C'est génial comme idée. Comment il s'appelait ce festival? Camp. Frauenfeld Festival, c'est un festival hip-hop dans le nord de la Suisse, dans la Suisse allemande. Ils ont mis des pêches à une olive. Ouais, bah, c'était une sorte de parattraction un peu, c'était très très fun. C'était très très fun. Suivant. Bah, moi je suis quand même un bon client en merchandising, donc je regarde les t-shirts, je regarde les suites. J'ai plutôt tendance à acheter des trucs. Ouais. Il semblerait que les métalleux, on ait la collectionnite élue. Ouais. C'est triste. Enfin, c'est triste et c'est très drôle, mais tes placards sont en plein craqué de t-shirts que tu mettras qu'une fois dans ta vie. Ellie. Ben, moi, je suis pas très bonne en souvenir. Non, en fait, on a trop de merch et du coup, maintenant, avec Monsieur, on fait merch commun. Du coup, on prend un t-shirt pour deux. Donc un t-shirt mais pour lui, une robe de chambre pour toi. Non, regarde, ça fait une robe, pas une robe de chambre. Mais, ça fait bien, non? Je on l'a reçu il y a pas longtemps, ton mari, c'est pas le même gabarit quand même. Bah, il est plus grand, mais ça va quoi. Mais c'est non. Et par contre, qu'est-ce que j'achète au merch? En vrai, au merch, moi je ramène des souvenirs pour les potes. Ça, je laisse toujours au moins 100 balles dans le merch, mais j'en ramène en réalité aux copains. C'est ma nièce, moi maintenant, c'est terrible. J'ai un budget nièce. Ouais, alors, j'ai un budget fille, effectivement. mais. Je me souviens du Hellfest où je suis passé en mode. Je venais d'apprendre que j'étais tonton. Oui, c'est vrai. Et pas longtemps après, tu vois, et où ça allait bientôt se faire, et que j'ai foncé dans les magasins, en mode, j'ai mis Punky devant, et bougez-vous, je suis tonton, j'ai tracé comme un porc au milieu. Donc voilà, le bourrin de base. Pour toi. Moi, j'avoue que je suis plus team ramener des lunettes de soleil nulles. Je sais pas pourquoi j'adore ça. J'adore les lunettes de soleil pétées. Et sinon, bah, casquette, t-shirt, j'aime bien aussi. Et moi, c'est la recherche du t-shirt féminin, qui n'est pas évident. La recherche du débardeur moulant. Moi, c'est la recherche girly, en fait. Et c'est pas évident. C'est pas évident, il n'y a quasiment jamais. Donc, quand c'est je comme tombe ça que là-dessus... Bah, j'ai hâte d'avoir ton avis sur Planet Fest, du coup. Non, et ouais, sur et en vrai... Ah bah moi, si t'as un petit débardeur sympa en taille XSS, je prends. Un peu décolleté, parce qu'en fait, moi j'en ai marre des t-shirts qui m'arrivent là, quoi. Voilà. Donc en fait, ouais, c'est la recherche aussi du col un peu plus, pas là. Voilà. Oui, ok. Ouais. Okay. Tu soulèves une vraie question, parce que du coup, nous on est en train de créer notre merch, et on a remarqué aussi de notre côté que dans la fabrication de t-shirts, souvent il est proposé l'unisex, parce que tu comprends, c'est plus facile tout. Et quand on a dit, ouais, mais là, ce logo-là, on aimerait bien, machin, et en fait, ça change tellement de paramètres. Parce que le logo, faut le mettre plus bas, plus machin. Ouais. C'est tellement une galère en fait que je comprends que plein de gens ne le fassent pas. Ah bah oui, parce que c'est chiant, parce que ça coûte plus cher. Nous, on va le faire, mais sur des logos moins compliqués que le. Mais c'est vrai que en tant que femme, si j'avais une recommandation, un débardeur, c'est nickel. Débardeur ou sinon t'as le modèle Marilyn en version col bateau qui est aussi. Assez beau aussi. Ouais. Et peu de gens qui font. Ça c'était une. En merch, je suis assez forte. En merch, je suis très très forte si tu veux, parce que je bosse aussi pour Useless Pride Record, voilà, coucou, qui fait donc aussi du merch. Ah, et donc, si tu veux, j'ai des plans merch. Salut, bisous tout le monde. On a failli bosser avec eux, finalement, on s'est fait attraper par quelqu'un d'autre. Mais pareil. Ça arrive. On ne va pas se plaindre. On est en pleine réflexion. Tu sais qui on bosse, on est content.
Dans le chat, on nous fait le merch du plein air aussi. Dans le chat, on nous dit t-shirt. J'ai vu les discussions passer. Mais on nous dit l'éco-cap. Et c'est vrai que. Je vais pas mentir, j'en ai une collection à péter là-bas. Ouais, mais j'en ai jeté l'éco-cap, tu vas pas l'acheter au stand de merch. Tu prends ta bière et elle est là. Tu la choisis pas, l'éco-cap. Je prends un souvenir. Ouais, tu le gardes. Ouais, ouais. Bien, bien sûr que. Mais techniquement, tu l'achètes ton éco-cap, tu dans le prix de ta bière au début. Parce que quand tu le rends, donc techniquement, c'est ton. Moi, c'est mon premier achat. On a un chat de qualité ce soir, merci. Du coup, on va revenir sur la deuxième salle de questions qui sont un peu plus sérieuses. Ça s'appelle la création d'un projet. Oui, parce que comme un groupe, comme un festival, ça se crée, ça se monte et il faut le faire durer après. C'est compliqué. Du coup, première question, comment se crée un festival ? Parce que nous, on a tout monté sur une idée con, mais j'espère que vous n'avez pas fait comme nous pour tout. Bah, je te laisse la main là-dessus. Hein. J'ai bien des idées de réponse. Écoute, comment se crée un festival ? Il faut avoir une idée. Je veux dire, après l'idée c'est avec un grand I et puis il y a plein de strates et puis il faut aller creuser. Après c'est les emmerdes. Et après c'est les emmerdes. Mais à la base il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait une rencontre humaine, il faut qu'il y ait tout ça. Donc dans l'idée il y a l'envie de travailler avec des gens, il y a l'envie de proposer des choses à des gens, mais il y a aussi l'envie de travailler avec des gens. Et là typiquement sur le Plein Air Fest c'est la rencontre de plein de structures, de plein d'entités différentes qui s'est trouvée absolument évidente. Et on s'est dit, mais on veut ce projet-là, on veut le faire ensemble. Et ça puis. C'est tellement un conseil de guerre pour quelqu'un. Mais. Ils sont tous arrivés avec nous aussi. T'es un peu Frodon Saké. Et marche. Ils sont tous venus un peu comme ça. Je dirais que pour un festival, il faut aussi le lieu, quoi. La recherche du lieu va être primordiale dans l'entente. Après ce moment-là où tout le monde a l'idée, etc., le lieu, c'est vraiment. Compliqué en plus. Bah, ouais, suivant les communes, suivant tout ça, quoi. Mais selon les règlements de son. Pour le coup, le lieu, il existe déjà. Tu veux être en intérieur ou en extérieur, enfin, tu vois. Ok. Et alors peut-être un peu plus simple ou peut-être plus compliqué, on va voir, mais comment ça se crée un groupe ? ODC, en fait moi c'est parti sur une idée, en fait je voulais chanter depuis longtemps. Au parc que sous la douche, c'est pour ça que t'as créé ODC. Ouais. Exactement, voilà. Et en fait j'arrivais pas à trouver une musique qui correspondait à mon énergie en fait. C'est-à-dire que, en tant que nana, mais dès l'école, hein, en fait, on t'oriente vers le jazz, la variété, la pop, le truc, la flûte. Il m'a traumatisé, monsieur Terrien. Vous m'avez traumatisé en troisième. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au lycée, en fait, il fallait choisir une chanson. Et donc, t'avais les nanas. Enfin, c'était drôle parce que tu chantais a cappella en cours, c'était une catastrophe. Et donc, t'avais les nanas qui faisaient Starmania, etc. Et en fait, moi, j'ai choisi Aerosmith. Et c'était cool, quoi. Et en fait, ouais, depuis longtemps, j'avais cette énergie-là, j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais pas rencontré. Et en effet, c'est une rencontre. C'est vraiment une rencontre avec mon meilleur ami, en fait, qui m'a dit, mais franchement, vu ta pêche, franchement, choisis un groupe de rock ou de metal, tu vas t'éclater, quoi. Ok, pourquoi pas. Et en fait, on a commencé à... Donc, c'est le parolier, maintenant. On a commencé à chercher un compositeur sur Zik Inf. Et en fait... Ah non, le truc de ouf. Ne rigole pas, Zik Inf, c'est l'archangorne des musiciens. Je rigole pas, parce qu'on a rencontré Yanis. Et en fait, on regardait les trucs, et à un moment, on s'est regardé, on a fait... Putain, mais lui, il a un truc, quoi. Et je fais, ouais, mais j'adore son truc. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par vraiment moi qui voulais... parce que c'était une frustration, quoi. Il fallait vraiment que j'exprime quelque chose. J'ai embarqué le parolier, bing, j'ai rencontré le compositeur et j'ai commencé à travailler en fait avec le compositeur au départ. En fait, on travaillait sur du Devin Townsend. En fait, c'est un fan de prog. On choisit le plus simple pour commencer. Lui, il vient du prog en fait. Au début, il avait des compos de 15 minutes. Hein, okay. Et en fait, il était fan de... c'est Anneke ? Oui. Et en fait, on a commencé un peu à travailler comme ça, on reprenait du Devin. Et puis il a commencé à montrer ses compos, et puis j'ai commencé à... Il m'a dit, bon, bah, ça serait bien que tu écrives des paroles, j'ai aucune envie de le faire. Du coup, je lui ai dit, ah, tiens, tu pourrais pas m'écrire des paroles. Et en fait, je les ai fait se rencontrer, et en fait, tous les trois, bah voilà, il y a eu une alchimie, quoi. En fait, on est sur la même longueur d'onde, on a la même vision artistique, avec le côté très mélodique, avec un mélange entre le classique et le moderne. Et c'est vrai qu'avec un mélodiste, voilà, voilà. Donc en fait, comment ça se crée ? Ça se crée vraiment avec des gens que t'aimes, avec des gens avec lesquels t'as une énorme confiance, tu crées cette confiance et... Ce qui est marrant, c'est que t'as dit, je vais prendre d'autres mots, oui. Mais t'as dit que c'était une rencontre et l'envie d'en découdre.
et de créer quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est que ça doit être la même chose pour le festival. Parce que vous avez été tout mignon, tout gentil, mais je suis sûr que quand tout le monde s'est réuni autour de la table, ça a fait un peu le « on y va les mecs !» L'envie d'en découdre et pousser un peu son, ça, c'est sa, le, son église un peu plus au projet. Et puis après, il y a comment tu le fais vivre. Tu le fais vivre avec des musiciens, et là, il faut vraiment qu'on s'entende bien. Enfin, là, c'est vraiment... Là, c'est... Il y a le côté aussi affinité qui joue beaucoup. Ah, là, enfin, il y a le côté affinité musicale qui marche, qui doit marcher. Mais il y a aussi le côté affinité entre nous, humainement aussi, qui s'il ne marche pas, bah, au bout d'un moment, il va y avoir des conflits. Ouais, c'est compliqué sur des points, si entre la chanteuse et le batteur, vous n'entendez pas trop. Quoi. Enfin, oui. Tu vois, là, on est parti en tournée en Allemagne, c'était la première fois, on est parti une semaine ensemble. C'était génial, quoi. On a envie d'y retourner, ça que ça aurait pu nous faire. C'était un peu colonie de vacances. Ah là, c'était la colo. C'était que des bêtises. Ouais, on était dans les. Je vous fais chier, les gamins, c'est pas bien. C'était avec Lady superposée, non, c'est bien marré. C'était cool, j'ai dû y retourner. Petite question du coup qui moi me fait marrer, mais alors comment un festival fait pour découvrir ses groupes ou ses futurs groupes qu'il amènera sur scène? Je vais commencer. Moi j'écoute des groupes tout le temps, donc en fait pas seulement pour programmer sur le festival, voilà. Et j'ai beaucoup de mails entrants, beaucoup de groupes qui sont plutôt en développement et qui nous envoient en fait. Leurs liens et leurs clips, et etc., et qui nous appellent. Et puis moi, d'un autre côté, il y a beaucoup de tourneurs un petit peu gros que je vais aller draguer en disant ouais, venez dans mon festival, ce groupe-là, il a sa place dans ce festival, il n'y a pas que le Hellfest dans la vie. Et donc, en fait, c'est l'équilibre entre les deux, quoi. En général, c'est plutôt les plus petits groupes qui viennent me trouver. Et moi qui vais trouver les plus gros. J'ai l'impression que nos boîtes mails doivent se ressembler. C'est terrible. Ou au final, à côté dans ton PC, t'as un espèce de coffre-fort où t'as tous les groupes que tu kiffes et que tu dis un jour, faut que je les pince. Ouais. Mais là, par exemple, j'ai déjà un dossier programmation 2024 qui commence à être un petit peu costaud. J'ai une note avec au moins 50 groupes de « il y a un jour, il faut que je les invite ». Et t'es là, après il faut voir avec les dates si c'est possible, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est beaucoup de veille forcément, parce que c'est là où le taf du programmateur est super chouette, parce qu'en fait ton taf c'est d'écouter de la musique, ça c'est trop cool. Et après il y a tout le réseau qui va jouer, mais surtout en fait, vu que t'es en festival, tu peux te permettre justement de programmer des groupes où tu vas me corriger ou pas, mais où tu vas tester un peu le groupe dans le sens où c'est pas encore super connu, dans le sens où ça va pas te ramener 3000 personnes, mais par contre ça peut surprendre le public à ce slot là précisément. C'est des paris en fait, et c'est ça où le jeu de la programmation est super chouette et super excitant, parce que tu sais pas en fait, tu sais pas en fait jusqu'au jour J, tu sais pas si ça marche en fait. Coucou. On a pris ce pari depuis 4 ans et demi. À chaque fois qu'on décide de faire jouer des groupes, on se dit qu'est-ce que les gens vont ressentir, que les gens viennent voir le groupe et le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas du tout. Ouais. Et qu'est-ce que ça va dire du festival à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer dans ce festival à ce moment-là pour tout le monde? Je vais traduire ça peut-être en plus petit pour toi. Ouais. Mais moi, j'ai un gros kiff depuis qu'on a monté Fréquence Fétale, c'est que petit à petit, on se fait inviter dans les concerts de copains, en fait, entre guillemets. Et j'ai vu des salles vraiment scène émergente avec des groupes pas connus, mais les mecs retournent la salle. Oui. Vraiment, tu ressors, ça sent la sueur à 15 bornes, tout le monde, on peut plus, on a les t-shirts trempés, tu fais « Oh la vache, qu'est-ce qu'on a pris dans la gueule, mais tu y retournes ». Et c'est si je puis me permettre, dans le métal, il y a un peu une exception qui est pas cool, qui est qu'il y a énormément de tourbus, de tournées avec 3 ou 4 groupes qui tournent, avec d'ailleurs des groupes supports qui payent pour être dans le tourbus, donc je sais pas si c'est quelque chose qui se sait, mais moi c'est un truc qui m'agace au plus haut point. C'est vraiment un truc particulier dans le métal, ça n'existe pas dans les autres styles en France, c'est quelque chose qui vient petit peu de l'international. Et nous, en tant que promoteurs locaux à Lyon, on arrive très peu à faire jouer des groupes qu'on adore et qu'on suit et qu'on a identifié et qu'on veut aider, parce qu'à chaque fois ils viennent avec leur tourbus, avec le gros groupe, le groupe middle et puis les deux groupes qui payent pour être dans le tourbus. On ne peut pas faire jouer les premières parties, et le festival, là c'est un vrai terrain de jeu, et on peut vraiment se dire tout ce qu'on a découvert de génial dans l'année, c'est le moment où on peut enfin le placer. Il y a aussi le... C'est fou ce que tu dis. Je vais rajouter une couche, mais justement, pour défendre... Moi je refuse depuis clairement. Moi je... Enfin voilà, je fais du métal, c'est pas pour commencer à raquer. Et donc systématiquement on essaye, dès qu'il n'y a que 3 groupes, allez, ou des fois que 2, c'est encore plus rare. Que 2, c'est hyper rare. Voilà. Et quand on sait qu'on peut avoir un slot pour un groupe local, on se dit merde, alors du coup, il y en a 10 qu'on a envie de faire jouer. À qui j'ai envie de donner cette opportunité. Moi, je voulais rajouter une couche, et qui fait qu'on a défendu la scène émergente très vite, c'est qu'en plus de ces tourbus, de ces
Turbous, ouais, on va y arriver. On a la critique de, au bout d'un moment, t'as la phrase de « Oui, mais c'est toujours les mêmes scènes qu'on voit, c'est toujours les mêmes groupes. » Oui, c'est toujours les mêmes groupes. Oui, bah, arrêtez ces tourbus, au bout d'un moment, vous avez autre chose. Et il faut défendre cette scène émergente, et c'est pour ça qu'on s'est dit non. Parce qu'en vrai, bah, tu vois, tu laisses tomber un groupe et tu places un ODC à la base, ça fait clairement le taf, en fait. Ah bah, et si je peux placer un petit mot sur le tremplin. Alors non, pas du tout, parce qu'il faut que je parle. Non, je déconne. Non, mais on fait un tremplin du Plein Air Fest. Et encore une fois, c'est là où la place est importante à l'émergence. Parce qu'on reçoit beaucoup de candidatures, on réfléchit un peu à tout, le jury sélectionne un peu, le public a sa part de vérité là-dedans aussi. Et là, au tremplin, où il y aura 4 finalistes, c'est que des groupes émergents, mais qui ont tous une chance de faire un très beau slot sur un festival. Et si on crée pas ce lien entre les artistes émergents et les places sur festival, tu vois, ce sera peut-être leur premier festival, leur première main, leur premier... Ouais, mais c'est peut-être aussi leur début de carrière qui fait que des années plus tard, ce sera ton line-up tout en haut de l'affiche. Sur un autre festival qu'on fait, le Repercussion, qui est beaucoup plus électro avec Mediatone, on a découvert une artiste qui s'appelle Roman Santarelli sur le tremplin du festival. Et qui maintenant, là, cette année, a rejoué sur la main stage en slot tête d'affiche, quoi. Ouais, non, mais... c'est magnifique à voir, en fait, l'émergence qui... Chose, on t'a coupé. Ouais, je demandais... C'était sur les premières parties. Non, c'était plus sur tout ce que tu disais par rapport au tourbus. Pourquoi c'est si spécifique au métal, problématique économique? Je ne sais pas. On ne voit pas ça dans les autres, styles. En général, enfin sur les autres styles, on va payer un groupe qui va venir et puis après on va réfléchir. Parfois, il va y avoir des premières parties imposées, mais parfois on va en proposer. Mais c'est toujours une discussion qui est un peu plus évidente. Alors que là, c'est vraiment. Ouais, en général, sur le méta, c'est un package. En général, quand on deal un concert, ça va être, on va dealer la tête d'affiche et c'est plus guest. Au pluriel, et 2 ou 3 mois avant, ils nous disent on a les visuels, et là on découvre les 3 groupes qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au courant des autres groupes qu'il va y avoir. Des fois, c'est des bonnes surprises. Des fois, on se dit mince, on aurait bien fait jouer un tel, ça aurait été super cool avec. Et on essaie de se battre, mais c'est pas évident. J'ai peut-être un début de réponse, et tu vas me dire si j'ai tort, mais moi j'ai l'impression que chez nous ça existe parce que déjà, le rock et le métal, on va pas se mentir en France. En France, t'as la variété. Tu vois, t'as la variété française et t'as le reste qui essaye de pousser. Et le rock et le métal, on a toujours été un peu le dernier train du wagon. On a toujours décrié, enfin, je ne citerai pas encore cette ministre à la con, mais bref, on a toujours été décrié. Et du coup, je pense que le fait est, c'est que la scène émergente, voulant absolument jouer, c'est un jour fait approcher par ces gens sans scrupules qu'on dit tu payes et tu joues. Et que du coup, c'est devenu un truc chez nous parce que sinon, la scène émergente se disait, y a pas moyen de jouer autrement. Ouais, après. Maintenant, on peut peut-être proposer quelque chose de différent. C'est plus au niveau international, je pense que ça, c'est plus le côté anglo-saxon. Et à l'origine, au tout départ, il y avait une histoire de coup. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'apprenait à l'époque où j'étais étudiante, ça commence à faire longtemps. Mais voilà, mais t'avais cette histoire de coup où quand tu crées ta tournée, t'as. Déjà, dans le métal, on est nombreux. Tu vois, c'est genre. Fou. Si, on est nombreux, ils sont toujours. On au est les seuls à monter à 10 sur scène, pas du tout. Dans le groupe, et ça fait autant de fiches de paie, autant de cachets à faire. Un tourbus où il y a déjà de la place à prendre, et finalement, les premières parties se sont retrouvées en fait à financer une partie des frais causés par la tournée en elle-même. Parce que tu avais forcément un coût pour le logement, un coût pour ci, un coût pour ça. Et il faut savoir que ce petit groupe qui paye pour jouer, on lui paye pas son logement. On lui paye pas son logement. Ah oui, on lui paye parfois, pas sa on lui paye bouffe, pas sa bouffe. Ah ouais. Ouais, non, c'est assez moche en plus. Ouais, c'est... Et donc, du coup, en fait, on paye tout un frais. Mais non, vous faites pas un tourbus non plus. En fait, le groupe qui paye pour être là, il participe aux frais de la tournée des autres. Tu vois. Putain, c'est ouf. La logique est folle, ok. Ouais, mais à l'inverse. Et ça fait tellement longtemps que ça dure que peut-être qu'il y a des têtes d'affiches qui ont eux-mêmes payé quand ils étaient jeunes, donc ça les dérange pas de faire payer les plus jeunes en disant mais ça fait partie de. De l'évolution d'un groupe de métal. La première fois que j'ai commencé à voir ça, c'était en... C'est un peu comme les Beatles dans l'armée. Une fois que t'es passé au-dessus, tu vas frapper les Beatles dans l'armée. Et quand il y a des problèmes... C'est des trucs à la con qui restent d'année en année. Quand il y a des pratiques problématiques qui sont installées, c'est extrêmement difficile de les modifier. T'as Steph qui nous dit « Vous êtes payé en visibilité ». Oui, c'est ça, malheureusement. Très peu connu dans le monde du graphisme. Coucou les graphistes. Oui, les dons, là, peut-être aussi, sur la chaîne. Oui, il faudrait qu'on partage un lien un jour, ça serait cool. Alors, je vais faire une double question croisée, mais celle-là me titille vraiment depuis un petit moment. Dans un côté, je vais demander au festival comment vous sélectionnez les groupes, comment vous les choisissez, comment vous les contactez, et après, juste après, je voudrais savoir le groupe, comment vous avez vécu le fait, comment vous êtes contacté, vous, et comment vous avez vécu ça.
Mais ils sont là, merde, il a bossé le coup. Non, non, mais j'en parlais un peu, quoi. C'est-à-dire que on travaille avec des tourneurs, avec des agences de booking, donc à l'année et particulièrement sur le festival. Donc toutes les agences de booking qui sont plutôt spécialisées dans le métal ou qui défendent cette esthétique-là, le moment où je vais commencer à travailler sur la programmation, je vais les contacter en disant. Voici les dates du festival. Est-ce que vous savez déjà qui sera en tournée à ce moment-là, qui sera sur la route. Ça me rappelle un mail en début d'année que je l'ai fait. et puis voilà, principalement. Puis après, il y a énormément de groupes aussi qui demandent à jouer. Moi, mes questions, c'est aussi est-ce que ce groupe joue déjà au Hellfest, au machin, au truc, au Motocultor. Est-ce qu'ils ont des dates de libre, enfin, ou est-ce qu'ils jouent avant, après. Après, il y a beaucoup de groupes. Il y a des informations que je n'ai pas forcément tout de suite et que même les agents français n'ont pas forcément tout de suite parce que c'est souvent les agents internationaux qui font un peu leur stratégie et qui donnent les informations au compte-gouttes aux agents français qui ne savent pas. Et ça arrive, par exemple, comme le Plein Air Fest est sur un week-end où il y a d'autres festivals métal au niveau européen, dès qu'il commence à y avoir des annonces de groupes sur les autres festivals européens, tout de suite, on va regarder, on va dire « Ah, il y a ça qui est annoncé, ça qui est annoncé ». On n'a pas forcément la date exacte, mais on se dit potentiellement ce groupe-là, il est en tournée. Et tout de suite, on va aller voir si c'était possible. En fait, t'es en train de regarder, voir si ton groupe va pas annuler, quoi. C'est un putain de stress. Bah, non, au contraire. Si tu peux pas l'attraper, au contraire, par exemple, Blind Guardian, c'est comme ça que ça s'est passé. On a vu qu'ils étaient dans un festival métal allemand. Ouais. Ils ont annoncé le truc, et j'ai fait, c'est le même week-end. Et immédiatement, j'ai demandé, est-ce que Blind Guardian pourrait être disponible sur telle ou telle date, selon quel jour ils jouent en Allemagne. Du coup, pour l'instant, ta source de groupe la plus importante, c'est ta boîte mail, mais tu les contactes comment après? Après, je fais des mails aux tourneurs français, à ceux qui représentent la tournée du groupe en France. Et après, la plupart du temps, je les appelle aussi. Ça me tue de savoir le nombre d'heures qu'on passe sur nos boîtes mail, mais l'importance d'une boîte mail chez nous, c'est incommensurable. Après, ça peut être des textos, après, tous les moyens de communication pour aller choper la discussion avec ces gens-là. Et il y a ce que tu disais aussi avant, la veille artistique que tu fais, parce qu'en programmation, tu as aussi souvent ta shortlist de groupes que un jour, si je peux les faire. Ton dossier qui fait. Ah oui. Non, mais j'ai le même. Non, mais sur le Plein Air Fest, il y a une dizaine de groupes. Tous les ans, je commence par cela. C'est là où ça me fait rire. Parce que nous, avec notre demi-année, on a commencé un peu à l'arrache. Et après, on te dit non, et après, tu changes. On a commencé notre demi-année vraiment à l'arrache. Et le premier truc que j'ai fait, j'ai contacté Ellie et trois autres groupes avec qui on bosse depuis un moment. Et je leur ai dit, envoyez-moi tous vos groupes. Mais après, j'avais ma shortlist de mon petit kiff perso, quand même. Donc voilà. C'était quoi ton kiff perso de cette année? J'en ai eu plusieurs. Il faudrait que je revoie la liste. En vrai, cette année, je me suis fait... Celui qui claque comme ça. Ils sont pas encore arrivés. D'accord. Je peux pas les annoncer. Mais bon, en vrai, j'ai des copains de ouf qui arrivent et je suis très très content. Et j'en ai encore que j'essaie de faire le dernier moment. Mais je te dirai. Mais en vrai, déjà, gros kiff toute l'année parce que déjà ceux que tu m'avais envoyé, genre Sanctuary, ça faisait un moment que je les avais pas vus et ça m'a fait plaisir. Et c'est quand même le groupe qui m'a initié au Black et au Death. Oui. Donc, cette année, c'est une année kiff chez nous. Donc, c'est cool. Du coup, vous avez été contacté comment et ça se vit comment? Parce que du coup, ça va être un peu le coup de fil ou le mail de l'éternel, tu vois. Je me posais la question. On a été contacté par où? Ah oui, mais non, parce que je pensais que c'était le parallèle. Non, je pensais à la constitution du groupe. Comment tu constitues Damien m'avait dit qu'il... Damien, faut que tu viennes en émission un jour, tu as trop de choses, tu sais trop de choses. C'est clair. Donc il avait proposé, et du coup j'ai appelé Eric, on a échangé, Eric m'a dit, je vais voir un peu ce qu'on peut faire, et du coup on a stressé, parce qu'on voulait vraiment y aller, et un jour j'ai reçu un email, bonne nouvelle, et là on était ultra contents, quoi. C'est vrai que c'est une grande, grande joie d'être sélectionné. En fait, il y a tellement de demandes, comme tu disais. C'est vrai que d'être sur une affiche, on est super fiers, quoi. D'ailleurs, c'est délicat en tant que programmateur, parce qu'il y a des groupes que j'ai vraiment envie, envie de faire. Et je sais jamais quand j'ai vraiment envie de programmer un groupe, si je dois lui dire « j'ai envie de te programmer », sachant qu'il est possible que finalement, ça n'aille pas au bout. Ou si il faut que je sois un tout petit peu plus avec de la distance, en disant « oui, c'est pas mal, mais en fait... » Moi, je joue une surprise.
C'est pas super évident, c'est pas évident. Moi, il y a beaucoup de groupes à qui j'ai dit j'adore ton groupe, j'ai trop envie de te faire jouer. Et puis finalement, que j'ai pas fait jouer. Et à la fois, je me dis, mais il faut quand même que je leur dise que j'aime leur projet. Tu vois, c'est pas parce que je les fais pas que j'aime pas, mais il y a un côté tellement déceptif aussi. Quoi. Ouais. J'ai pris le problème à l'envers. C'est vrai que se prendre des noms tout le temps, se prendre un oui, c'est génial. Quoi. Je me doute que pour un groupe, déjà, on va pas se mentir, les groupes aiment bien composer des albums, partager leur art. Mais un concert, déjà, à la base, c'est le truc pour lequel tu montes un groupe. Déjà, avoir une date de concert, ça va être cool. Mais quand c'est une date de festival, doit prendre une hauteur. En mode, bon, tu prépares le van, tu mets les valises dedans, ça doit être fou. Ouais, et puis jouer avec des... Ouais, je sais que, voilà, typiquement, là, les gars, ils sont comme des fous parce qu'on joue le même jour que 1056. Il y a les fans. Le Robin et Sony, là, ils sont comme des fous, quoi. Ils iront direct dans la fosse. Grâce à ça, 1056, ça a changé de date, en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Ça va, tu... Non, je dis tout à l'heure, oui, t'as dit 1056, il a le sourire jusque-là. Ah non, mais ils sont... Ça va, tu vas t'en remettre On verra le jour même. Tu vois, c'était un peu ta première question aussi, là, de qu'est-ce que l'artiste représente sur un live de festival. C'est ça, c'est toi-même, tu vas jouer avec des gens juste que après kiffes. Ou juste avant des gens que tu kiffes. Que tu kiffes, ouais. T'es au courant, il va falloir lui mettre une laisse, il va être étonnant. Mais je serais sur le côté en backstage. Il sera sur le côté de scène, mais bien sûr. Il va peut-être s'asseoir sur le même tabouret que le batteur de 1056. Il va lui dire bonjour, c'est oh, il m'a dit bonjour. Non, ça c'est Sony, ça, qui fait ah. Je vais même pas me moquer. J'ai vécu ça une fois dans ma vie, où j'ai reçu le mail à l'époque de Primal Age qui me dit, au fait, on veut faire ton émission. Coma, tu travailles deux jours après. Pardon, il s'est passé quoi? Ça faisait juste 15 ans que je les écoutais, quoi. Oui, la régie, dis-moi. Ok, est-ce que je peux poser une dernière question? Et puis après, on fait la petite pause. Ça tombe bien, c'est parfait, j'en avais plus qu'une. Alors là, c'est la question pour les deux. Mais du coup, quand les dates sont prises, peut-on avoir des imprévus et lesquels? Oh, wow. Il va falloir répondre assez rapidement, sinon la régie va me taper. Ok, mais je peux commencer, j'en ai mon réponse directe. Tu peux jamais être sûr de l'annulation, il peut se passer n'importe quoi. Il y a un groupe l'année dernière qui a loupé son avion, tu auras forcément des petits Steiner Scanner. Non, mauvaise blague. Donc il y a ça, le truc que tu pourras jamais prévoir. Là, tes souhaits. Il était vachement beau celui-là. C'est non plus, tu peux pas le prévoir. Non, mais là, c'est décibel, excuse-moi. C'est génial. La météo en festival, tu pourras jamais la prévoir. Donc quoi qu'il arrive, en fait, tu vas ouvrir les portes comme... Là, c'est le live qui va se passer maintenant, c'est fait, le festival ouvre ses portes. Tu as fait le maximum pour prévoir un festival plein de bonheur, mais les imprévus, en fait, si t'en as pas, c'est même pas drôle, quoi. Mmh. Ouais, mais c'est ce qui fait le sel du petite festival, voilà, c'est trop bien, c'est les meilleures anecdotes, c'est les meilleurs souvenirs. C'est une petite ambiance, mais c'est ce qui fait le sel du live. Hein. C'est le côté un peu, l'artiste amène une scénographie de malade parce qu'il est en tournée européenne, mais en fait, ça rentre pas sur la scène. Dragon Force, l'année dernière, ils ont pas pu mettre leur dragon, par exemple. C'était un tout petit peu dommage, tu sais, ils ont laissé le dragon dans le camion, ils arrivent, mais maintenant, ils passent pas. Tu fais le tour d'Europe avec ça, tu fais con, Dragon Force. Tu décharges, tu l'installes pendant les balances, et en fait, non, ça passe pas. Et pour vous, les imprévus les plus connus, on va dire? Oh, malade, le chanteur, la chanteuse qui est malade, le batteur qui est mal au dos. On dira rien, tu te défends très bien ce soir. Mais non, on fait avec, hein. De toute façon, on va jusqu'au bout, quoi. Ok, bah c'est pas là. Du coup, pour le chat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on est là aussi pour y répondre, ils sont là ce soir pour vous. Si vous avez des questions sur comment tu montes un festival, un groupe, et pourquoi ce mélange fait des miracles. On va faire une petite pause musicale. Est-ce que la régie est prête à nous envoyer deux clips dans la gueule et à couper nos micros pour qu'on puisse nous faire une petite pause, prendre à boire et à manger? Oui. Eh bien les loulous, c'est le moment du coup. Deux petits clips que vous allez voir. Les groupes qui passent sont des groupes que vous pourrez voir en direct au Plein Air Fest. Donc profitez et puis n'hésitez pas à envoyer vos petites questions, comme ça on y répondra en direct. A tout à l'heure. Wake up, wine, sleeping beauty. Romance is overrated. Days and know that a night or life is so sexy. When midnight comes, I'm
flames. Retour et le temps passe vite, beaucoup trop vite, mais du coup vous êtes en image sur Twitch et bah, ce soir c'était le moment d'être là parce que déjà on a beaucoup de monde, parce que le plateau est fini et qu'en plus on vous sert salade tomate oignon en clip ce soir, tout va bien. Non vraiment c'est une salade tomate oignon ce soir, on est sur un grec complet, c'est le plaisir pour, pour une émission étoile à table. Et vous nous écoutez encore chez nos copains de Rock en Folie, et ça c'est un petit plaisir, c'est la petite nouveauté de cette année, mais je m'en lasserai pas, je pense que j'arrêterai d'en parler l'année prochaine en fait. Tout va bien. Oh le mec il me laisse même pas le temps de parler. Quand ça parle, ça. Ça groove comme ça là. Ça groove bien là. Oh oui mec, on est Jersey. On va faire un peu le tour de vos goûts musicaux. Oh. Voilà. Alors, ça, rassurez-vous, celle-là on va pouvoir répondre rapidement. Je ne veux pas dénoncer mes deux collègues à gauche, mais voilà, ça va être vite fait. Non mais je le taquine, parce que forcément, on va se retrouver par mail après, donc il faut que je le taquine. Par mail. Ça, très vite, les mails, ils finiront avec des bisous, bah, c'est parfait. On va commencer avec toi, demoiselle. Première question, quel groupe a pour toi foutu le feu sur scène? Quel groupe t'a vraiment foutu le feu? Tu t'es dit, oh, trop bien. Sur une scène de festival.
Baby Metal. C'est vrai? Ouais. Ah, okay. Putain, c'est le groupe que je peux pas, j'y arrive pas, je suis désolé. Non, mais c'est vrai que j'ai adoré le son, en fait, qui était, okay. qui était très... Qui était je te long. Conseille de découvrir un groupe qui s'appelle Anali. C'est du baby metal, mais plus vénère et encore plus assumé. Ok. Pour une pépite. Pour toi. Ah bah moi, tu sais la réponse, non? Ah non, pas du tout. Pas ouais. Le 10 au début d'année. Évidemment. La grosse baffe. Forcément. Et sur scène, du coup? Ouais, festival. Ah putain, les festivals en plus. Moi j'ai Skindred, j'ai jamais pris une claque comme ça. Vraiment. Au Plein Air Fest en 2019. Ouais, tac. Moi j'avais vu ailleurs. J'avais vu ailleurs, j'avais bien attrapé le mec. Après t'es cow-boy dans une autre vie, niveau lasso t'es pas mauvais quoi. Non mais franchement je suis incapable de choisir. En plus si je donne un nom je vais me faire matraquer par mes autres groupes, tu vois. T'as qu'à donner des noms de groupes très connus et du coup... Ouais, c'était la faute de l'autre con. Ouais mais alors le truc c'est que les groupes très connus moi ils m'impressionnent plus. Enfin tu vois je me dis déjà on les voit trop et du coup bah, je suis plus Vous comprenez pourquoi on bosse avec. Non attends, bah, le dernier truc qui m'a vraiment mis une claque... je crois que c'est Orpheum Black. Ah oui, je crois que c'est Orpheum Black. Et du coup, bah, c'était pas sur un festival parce que c'était dans une petite salle. Parce que mais ils ont fait le même set sur la Hellstage l'année dernière et donc du coup, on n'a qu'à dire que c'était ce qu'on fait. Tu vois, on peut faire genre. Ça fait un an que j'en ai des retours, mais des très bons retours de partout. Ils sont en train de Orpheum, ouais, c'est. Ils tabassent tout, les mecs. Bah, va falloir que tu les fasses rapidement parce qu'après, tu les feras plus. Je sais, laisse-moi trouver des dates. On va les faire. Pour toi. Mais je suis pas très original, je vais dire Metallica parce que c'est. Parce que c'est le groupe qui m'a complètement terrassé au niveau du live plein de fois. Et je... Après, c'est, ils gèrent de plus de temps. Mais tu vois, j'ai jamais vu Metallica. Peut-être que c'est vrai, j'aurais pu répondre ça. Oui. Ouais. Je l'ai vu. Et juste pour dire, en fait, j'ai vu plein de fois Metallica. Il y a un moment où j'avais arrêté d'écouter. C'était dans les débuts des années 2000, Saint-Anger, etc. Et je suis allé les voir parce qu'ils passaient à Barcelone et que j'y étais avec un ami. Et en fait, ce concert-là, j'y suis allé genre, ouais, on va voir Metaloche, tranquille. Et c'est juste... Ce concert a été, enfin, je crois que j'ai eu des frissons du début à la fin. J'ai eu un moment de plaisir intense, d'orgasme total, du début oui, à la fin du concert. Il faudra que tu changes de pantalon avant la fin de l'émission. Ouais. Et à la fin de ce concert, je me suis dit, en fait, Metallica, que j'écoute ou que j'écoute pas, à chaque fois qu'ils passeront en concert, je serai là. Et ils savent gérer les lives, en plus. Ah. Ça va bien, putain. Si je peux me permettre une double réponse, côté hip-hop, c'était Outkast. Ah, festival. Évidemment. Ouais. Ouais. Ouais, c'était incroyable. Je reste choqué de ce concert-là. Et par rapport au Plein Air Fest, ce côté métal, l'année dernière, je crois que j'hésite vraiment entre Dragon Forces et l'ordi. C'est deux choses différentes, hein, j'en suis bien conscient. Mais non, choisis pas en fait, faut pas. Choisis pas, okay, garde les deux. Je peux garder les deux, ok. Dragon Force, pardon, c'est vrai qu'à chaque fois je me laisse. Dragon Force, c'est toute ma jeunesse sur Warcraft 3, et l'ordi, ça a été la grosse claque de « Oh mon Dieu, ils ont gagné le concours de musique interplanétaire ». Donc je ne peux pas choisir. On va continuer avec toi. Quel groupe pour toi a loupé son passage en festival? Quel groupe a loupé son passage en festival? Moi, je suis désolé, j'ai forcément que les réponses. Un groupe qui a loupé son passage en festival. Moi j'avais Marilyn Manson. Genre ils sont pas venus? Non, loupé, genre ils se sont foirés. Moi j'avais Manson au dernier festival où il s'est vraiment. C'était catastrophique. J'ai pas compris. Genre je voulais me faire rembourser son passage, tu vois. Mais vraiment que le FS se fasse rembourser aussi, tu vois. C'était... Ah, moi je sais ce que je vais répondre. Du coup, t'as Bah, moi j'ai que du hip-hop là pour le coup. Hein. Vas-y. Le dernier passage festival qui m'a vraiment déçu, où je me suis dit qu'est-ce qui est en train de se passer, c'était M.I.A. Je sais pas si ça vous parle, grosse artiste hip-hop. On savait pas trop ce qui se passait en fait. Parce que, après, ces festivals, c'est les conditions aussi qui veulent ça des fois. Où t'as les réglages son qui sont plus nord-américains, les réglages son Europe, ouais. Ça vous parle. Ouais. Là, ce côté américain ne marchait pas du tout à ce festival-là où j'étais. Je ne citerai pas le nom de ce festival. Ouais, du coup, le public est là en mode qu'est-ce qui se passe. Ouais, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. C'est quoi les réglages à l'américaine? Ben, c'est tout fort, tout gros, tout puissant. C'est-à-dire qu'on te donne ta limite à tant de dB. On s'en fout. En fait, on va beaucoup plus haut. Ok. Si t'arrives dans une ville qui te dit la limite, c'est 230, tu mets tout à 230. Ok. Ah ouais, c'est un peu space. Mais les groupes savent jouer grâce à un fight comme ça, tu vois. Techniquement, tu prends Motorhead, c'était bonjour, on va jouer plus fort que les autres, mais parce qu'après, ils savaient se régler selon leurs limites, en fait. Okay. Alors qu'en France, on va plus baisser, mettre plus de guitare, plus de batterie, quoi. C'est un peu... Mais c'est vrai que oui, j'ai vécu ça une fois, c'est assez chiant. Pour toi? Alors moi, sans hésiter, Guns N' Roses, deux fois. En 2005,
en 2005 au Download Festival en Angleterre. C'était une chiasse vivante. Ouais, c'était tout le monde qui partait. C'était l'horreur absolue. Axl Rose chantait tous les quarts d'heure comme il pouvait. C'était de la merde. Et puis au dernier Hellfest, c'était pénible aussi. C'est même triste parce que je me souviens avoir vu les vidéos en Angleterre où Guns qui joue et tout le monde qui fuit. Pénible. Pénible, vraiment malaisant, horrible. Très mauvais moment. Il était malade ou non pas du tout. Je sais pas. Il allait pas très bien. Il allait pas très très bien. Mais du coup, effectivement, moi j'ai hésité sur Guns, mais bon. En fait, il faut savoir que je travaille sur la main stage du Hellfest. Je fais partie des gens qui déchargent les camions et qui les rechargent. Et du coup, je vois des trucs que d'autres ne voient pas toujours, notamment sur Guns. Moi, je sais ce qu'il avait et je vais pas le dire. Mais effectivement, c'était bien qu'il reste pas trop sur le devant, finalement. Mais moi, j'allais choisir Manowar pour de vrai parce que moi, je les ai vus. Et je les ai démontés, c'est et je les ai chargés. Et après, ils ont dit « Ah oui, notre avancée de scène, vous vous êtes trompé d'en mettre 50, c'était pas le bon tube. » Donc on a tout démonté pour tout remonter à la bonne hauteur. On a vu les balances, on a tout rangé. Après, comme c'était à eux de jouer, après les balances du Knotfest, mes genoux, là, il a fallu tout ressortir. Et les mecs, ils sont pas venus. Qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Avant qu'ils disent « On vient pas. » Les gars, vous pourriez ranger ça bâton, s'il vous plaît? Donc on venait de ranger sa bâton et on les a ressortis sa bâton. Du coup, le groupe qui m'a le plus cassé le cou dans la vie, ça sera Manowar. Pas musicalement. Il avait été proposé deux fois dans le chat en Manowar. Comme quoi, en France, on n'a vraiment pas aimé ce move. À l'inverse, cette histoire-là de quack technique machin n'a rien à voir avec leurs histoires à eux, mais c'est une petite histoire bonus. Nous, on ne veut plus décharger Manowar. Je valide. Faudra les envoyer sur une autre scène. Ils se sont un peu cramés sur la scène française pour de vrai. Pour toi là-bas. Moi j'avoue que j'ai pas trop de réponses du coup parce que y a pas un concert où t'es allé où tu te dis putain c'est de la merde. Ouais non pas forcément c'est de la merde ou genre ils ont pas eu la chance de donner au mieux tu vois. Ah, en tant qu'artiste je peux pas pas d'être méchant. Ouais non parce que tu sais il y a tellement d'éléments. Non je sais pas. Tu peux faire de la merde. Ils jouent, ils moi aussi, là, j'ai pas grand chose à dire. Là, je peux pas. Bon, on va passer à la question suivante. Ouais. Après, comme je disais, c'est pas forcément l'artiste. Hein. Des fois, c'est tout le reste derrière, le son. Nous, on a fait des émissions où on est dégoûté parce que la technique a lâché et le groupe, on n'a pas pu en mettre en valeur comme on voulait. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Quel est l'artiste actuel ou disparu avec qui tu voudrais absolument jouer? Nirvana. Nirvana? Ah putain. À Kurt, un petit featuring. Ouais, je comprends. Là, le rêve. Quel artiste on peut... Ouais, un petit Bad Omen, c'est pas mal aussi. Moi, je sais pas jouer. Du coup, je suis présent derrière un Popunger. Mais non, un groupe avec lequel je voudrais bosser. Pardon, excuse-moi. Ça marche ou pas ça? Un groupe avec lequel je rêve de bosser, ça marcherait ça? Écoute. Que j'ai pas encore réussi à voir et que j'aimerais, avec qui j'aimerais vraiment bosser, il y a When Reasons Collapse. Oh putain, oui. Ouais, et t'es quoi, ça revient bientôt, du coup j'essaye de me placer sur les rangs. Tu vois. Si t'as besoin d'un missile, on est là. Alors moi c'est pas un groupe métal, mais c'est la personne que j'aime le plus au monde, c'est Eddie Vedder de Pearl Jam. Ah, ouais. Pour toi là-bas. Je suis déçu parce que je pensais que j'étais son mec préféré. Ah non, comme quoi, tu vois, faut partager sa couche de temps en temps. Toujours double réponse côté hip-hop, Kendrick Lamar. Ah oui, c'est pas mal, effectivement. Et côté métal et de l'apprentissage que je fais, Alceste, ça me paraît incroyable. Vraiment, musicalement, dans la création et tout, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce groupe. C'est un groupe que j'ai toujours pas vu en live et qu'il faut que j'aille voir. De toute façon, tu seras là, non? Je vais essayer de me débrouiller avec ma canne blanche, promis. Dernière question pour toi. Un trio de groupes qui donnerait pour toi, ou tu peux dire un duo, qui pour toi donnerait le concert ultime. Deux groupes, trois. Beyoncé et Kendrick Lamar. Beyoncé et Kendrick Lamar. Putain, oui. Alors, je suis pas de ce style-là, mais très fort. Ouais, ça deux ensemble, et tu rajoutes genre Nas. Ouais. Et tu sais ce qui te manque? Un Super Bowl derrière. Mais juste pour le spectacle, tu vois. Ah ouais, attends, je crois que j'ai ma réponse. Kendrick Lamar, Beyoncé, Rihanna. Ensemble, voilà. La même soirée. S'il n'y a pas une baston d'ego, c'est qu'il faut. Même mon appartement, il n'y a aucun souci. Je pense que oui, tu remplis Super Bowl tranquille. Pour toi. Pearl Jam, Metallica, System of a Down. Ça aussi, ça coûte cher, ça. Ça coûte cher. Petite soirée tranquille. Petite tranquille. Et ton festival, il s'appelle Cher. Même la Nation peut le faire. Tu sais, moi j'aime vraiment la scène émergente du coup quand on veut faire une super émergente, tu vois.
Mais non, Tu peux même citer les tiens. Mais évidemment que je vais citer les miens. Mon actif préféré, ça serait Worselder, Snapboarder et du coup End Reasons Collapse. Putain, je paye aussi pour ça, hein, pas de soucis. Mais du coup, la soirée sera à 20 balles. Vous pouvez tous venir, ça, c'est bon. C'est plus accessible. Contrairement à l'autre derrière, là À l'autre, avec mon prix de billet, vous pouvez vous payer J'ai un budget à tenir toute l'année, et là, tu me proposes de faire ce que je veux. Laisse-moi faire mon kiff. Si je dois les défendre, je note qu'il y a presque une invitation qui est arrivée à droite. À ma gauche. À ma droite, pensant rien. Je ne dis rien, mais je. Non, j'aime bien foutre la merde. Après. Mais il va pas m'inviter à ce concert-là, il pourra pas le faire. Oh, c'est sale. Mais non. Pourquoi ? Moi, je sais pas, je vais aider un petit Electric Cowboy, ouais. Soleil, et nous derrière. Malin. Et c'est Electric Cowboy que tu vous la scène, bien sûr. Ah oui, vous en tête d'affiche. Nous en tête d'affiche, évidemment. Non, au milieu, comme ça, t'es sûr que les gens sont restés. Ah, bien ce concert-là, tu l'appelles l'indécence. L'insolence. Ah, je mettrais aussi System of a Down, parce que moi j'ai découvert le métal avec Soad et. Évidemment. C'est vrai que pour moi, en tout cas pour moi, c'est le meilleur. Ils ont tout. En fait, c'est les mélodies, ça explose. Incroyable quoi. Ce qui est fou, c'est que peu importe toutes les merdes qu'ils ont fait, tous les problèmes qu'ils ont en interne, on continue tous à les écouter. Ouais. Ah bah c'est incroyable. Un monstre. Ah bah ouais. System of a Down, Muse avant. oui. Mais c'est vrai que ça, j'aimerais beaucoup. Avec un Caesar, j'adore Caesar. Ok. Paris, un concert Peyton Smith, à mon avis, pour le coup. Ouais. Moins cher que l'autre. Hein. Oui, moins cher. Ouais. Non, mais bah, après, ils ont des goûts de luxe, mais c'est normal. On parle d'un festival, tu vois, pas un genre des mecs qui font grand pis juste une salle. J'aime bien les taquinades. Du coup, mais en vrai, là, pour le coup, tout ce qui a été proposé, je suis plus que client pour de vrai. Ah ouais, vraiment. Pour le coup. On va rattaquer les questions un peu plus traditionnelles. Et si vous en avez dans le chat, dites-le nous très très fort parce que la régie est là pour poser vos questions. Tout va bien. On va attaquer le dernier morceau de cette émission que j'ai appelé l'avenir du festival. Il y a peut-être un peu les questions qui fâchent. Alors, en tant que groupe, pour vous, le festival de rêve, mais genre le festival ultime pour vous, chacun d'entre vous, c'est quoi ? Vous êtes pas obligé de... Évidemment. J'allais dire, quelle question, Gilles ? Mais non, mais c'était moins un autre. Le plein air fest. Vous allez pas vous fâcher. Les 7 et 8 juillet 2023. Yes. Bah ouais. Non, un autre. J'en veux un autre, du coup. Vas-y. Un autre fest. Du coup, c'est pour ça que j'ai posé en deux, hein, tu vois, j'avais prévu. Tu vois. Moi, j'aimerais bien, en vrai, par exemple, au Hellfest, qu'ils arrivent à ouvrir une scène où on pourrait rentrer un peu plus dans une scène émergente. Ouais, je serais chaud aussi. Une scène émergente, ouais, parce que il y a beaucoup de groupes, beaucoup de trucs, ou une scène émergente, ou alors Ellie, plutôt... Fais pas la gueule, tu sais que si un jour on l'ouvre, toi et moi, on est en première tête à te bonjour, bah ouais, tu veux si tu veux, à la base, c'est pour ça qu'ils ont ouvert la Hell Stage, c'était pour mettre un peu plus d'émergente. Mais du coup, comme c'est un peu de la dérive et que, bon, mine de rien, c'est grand, mais il n'y a pas tant de place que ça au Hellfest. Bah, ils l'ont mis sur le parking, tu vois. Ah ouais. Non, mais... non, ils l'ont mis devant le market. Après, tu rentres dans le market. Si mais du coup, si un jour, ils s'y mettent pas du bon côté des portes, non, tu vois. Non. Si un jour, ils s'y mettent vraiment, tu sais qu'on se mettra en première ligne, tu vas dire « Bonjour, vous avez besoin d'aide, on arrive !» Bah ouais, mais tu vois, ils viennent déjà de rajouter un hectare pour mettre la vallée, ils vont pas reprendre un hectare pour faire je sais pas quoi, un hectare, il y a moyen de faire. J'ai d'autres idées à la con, moi. Ouais, c'est vrai. Le Hellfest, j'ai toujours. D'ailleurs, le Hellfest, coucou, hein, j'ai toujours une idée de radio le matin, c'est un jour. Une idée très con et qui pourrait être très drôle. Du coup, tu me dis le Hellfest, bah ouais, mais en France, c'est vrai que ça paraît assez fou. Et du coup, pour vous, de votre côté, le groupe, genre de vos rêves. En festival ? Ouais. En programmation. Le groupe de Metallica. On en a déjà un peu parlé, non ? Ouais, mais là. Ouais. C'est parce que tu parlais beaucoup trop et t'as niqué toutes les questions. C'est toi qui parlais trop. Mais si tu veux, je peux parler du festival de mes rêves pendant qu'il réfléchit, parce que tu m'as squeezé. Je comprends, hein, je suis la pièce rapportée, tout ça, mais bon, je suis là. Hein. Non, c'est que j'ai mais plus du coup, attends, un festival... Elle est mauvaise, celle-là, quand elle filmée. Mais moi, je rêve d'aller au Metal Camp. J'y suis toujours pas allée. C'est où ? Enfin, maintenant, c'est le Metal Days, mais... En Slovénie ? Ouais, ok. J'aimerais bien faire ça et je suis toujours pas allée. Moi, je dirais dans la prog, mon truc de rêve, ça serait que toutes les personnes qui sont dans l'ombre, mais qui font de la musique, créent un super groupe. Avec Dead au chant, par exemple. Enfin, je sais pas. Dead, c'est mon surnom pour expliquer. Tu vois, un truc comme ça. Tu fais une job ?
Non, plus qu'une jam. Genre vraiment, tu sais, tous les progras, les orgas qui se captent de festival en festival, bah en fait, ils créent un groupe, tu vois. Ils créent un groupe et en fait, juste, ils font ce qu'ils font, quoi, tu vois. J'ai un peu peur que ça fasse les enfoirés sur les bords. Mais oui, pourquoi pas. Non, mais je sais pas. En mode métal, ça peut quand même être cool. Franchement, ça peut être chelou, mais très cool. Il y a plein de talents partout cachés. Hein. Par contre, t'es gentil, t'invites pas Mimi Mathy. Hein. Non. Elle est méchante. En plus, c'est vrai. Pour le coup, beaucoup toi. Je connais. Groupe de Mirage, j'en ai déjà un peu parlé. Ouais, j'ai jamais regardé. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter entre les trois que j'ai cités avant, quoi. Ouais. Alors, non, bah je dis ça, mais parce que je la rencontre en vrai. En vrai, elle est pas comme dans sa série, elle est très mauvaise comme Dana. J'étais grave déçu. Alors, une petite question qui fâche, parce qu'après on repassera sur les questions gentilles. Mais t'en penses quoi des festivals en ligne, toi? Oh. Des festivals en ligne. Fallait bien que je vous emmerde un peu. Des festivals, tu veux dire, où tu vas pas. Tout est en live. C'est les festivals où tu vas pas, ouais, c'est ça. C'est le principe du truc. Ce qu'on a fait en 2021, tu te rappelles? Je trouve que c'est. Il y a beaucoup aux États-Unis en ce moment. Que c'est nécessaire si on peut pas amener les gens, mais pour moi, s'il n'y a pas plusieurs énergies, plusieurs personnes, plusieurs humains qui se rencontrent sur un lieu, ce n'est pas un festival. C'est juste pas un festival. C'est une réponse tellement belle, tellement propre. Non, mais c'est juste pas un festival du tout. Nous, on l'a fait sur notre festival Répercussante en électro. En 2021, on a fait une édition en live streaming où les gens se connectaient en direct. En fait, c'était un plateau télé. C'était une émission télé. Simplement, on disait aux gens, vous êtes en train de vivre le truc en direct et vous faites chatter. Il y avait deux, trois outils un peu rigolos pour mettre en connexion les gens, mais en vrai, c'était hyper déceptif de faire ça, on n'avait pas le choix. Je dis ça parce qu'aux États-Unis, t'en as pas mal qui ont compris que ça coûtait moins cher, que c'était beaucoup plus simple, qu'ils ont gardé les sources. Faut arrêter. Il y a pas mal de groupes qui ont gardé ça, et dont je ne citerai pas les noms, mais qui ont gardé ce délire de garder un truc en ligne. Et pour avoir essayé en tant qu'auditeur, moi je me suis fait chier. Après, je peux comprendre un truc, c'est tu fais vraiment un festival et tu fais le choix de le faire en live stream en plus. Oui, à la Arte qui embarque ses caméras un peu partout. Ça, c'est super. Mais moi, en tant qu'auditeur, je trouvais ça un peu naze parce que du coup, t'es avec ta bière, c'est cool, mais t'es tout seul. En fait, t'as personne avec qui s'intéresse. Ouais, après, il y avait un truc un peu cool. Tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai fait la Firemaster pour le coup avec qui je bosse depuis quelques années déjà. Et tu vois, pendant le Covid, on l'a fait en streaming. Et à l'inverse, la Firemaster, en vrai, c'est un festival à Châteauroux. On fait nos 300 places quand on a du bol. L'année en streaming, on a fait 6000. Après, la formation, c'est différent, mais ça n'a rien à voir. Entre-temps, vous aviez des interviews, vous aviez des interventions. Et il y avait des interviews, on avait essayé de meubler. C'était pas qu'un concert, en vrai. Tu vois, il y avait plein d'autres trucs. Ouais. C'était plus un événement. Tu nous avais fait le plus beau compliment, d'ailleurs, là. Je me souviens, d'à un moment donné, j'avais écouté et t'avais dit, quand je dois présenter mes groupes, je préfère des fois passer par des petites associations qui sont pas connues, mais qui font le taf. Et j'avais envoyé un texto, je t'aime. Officiellement, t'es adorable. Tu fais, ah, merci, c'est adorable. Et pour vous, du coup, les concerts ou les festivals en live, ça donne quoi en tant qu'artiste? En live stream, du coup. Ouais, en live stream, c'est un truc showcase, là, sur YouTube. Ouais. C'est, t'as pas de public. Ouais, donc, tu regardes les caméras, c'est comme un clip, en fait. Ouais. Alors, c'est sympa pour les fans que tu peux pas atteindre, en fait, qui pourront jamais venir à ton live parce qu'ils habitent loin, mais c'est sympa de le faire ponctuellement, justement pour c'est un peu un cadeau que tu donnes à ces fans-là, mais clairement ça n'a rien à voir avec le contact, ça remplacera jamais. Avec le pogo en bas de pied. L'échange qu'il y a entre un public et un artiste sur une scène, en fait, c'est irremplaçable. Bah non, et c'est pour ça que tu le fais en plus. Non, mais en vrai, c'est un truc sympa pendant le Covid parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Oui, ça occupe. Et c'est pour ça que ça marchait pendant le Covid, hein. Ouais. Parce que même nous, en tant qu'auditeurs, on n'avait rien à manger. C'est ça, ils font un stream, vas-y, je pars. Oui, voilà. Bien sûr. Tu décapsules ta bière. Là, maintenant, ça y est, c'est bon, c'est fini, il faut lâcher. Le stream marche beaucoup mieux pour les jeux vidéo, pour les trucs comme ça, tu vois, comme le ZD20 ou quoi, plutôt qu'un concert où tu vas devoir interagir, en fait, avec ton public. D'où le fait que le projet Fréquence Pétale sur Twitch est une fraude. On n'aurait jamais dû réussir. Officiellement, on n'aurait jamais dû réussir, hein. C'est une fraude. Petite question, et qui va s'appliquer aux deux. Aussi bien au festival qu'au groupe, et on va commencer avec le groupe. Pour vous, quel est le secret de la durabilité? Oui, il y a 4 syllabes, je suis désolé, on va y arriver. J'ai dû l'apprendre par cœur. Dans la musique ou dans le groupe Dans ton groupe. En ensemble. Dans groupe. L'ensemble, parce que un groupe, c'est de la musique, et tu fais pas. Enfin, la musique tout seul, ça se fait, mais t'as moins de problèmes quand t'es tout seul. La musique, il y a l'originalité de ce que tu vas sortir déjà. Ça peut avancer et sortir toujours des nouveaux trucs sans faire toujours la même chose et au bout d'un moment les gens ils s'en vont. Donc pour le coup ça peut gérer la durabilité.
Et après, bah, dans le groupe en général, tu as, comme on disait tout à l'heure, l'affection entre les gens aussi déjà. Ça joue beaucoup. C'est sûr que si tu arrives bonjour bande de connards, c'est souvent plus compliqué. Ouais, voilà, le coup de coude, dans le moyen. Tu as le fait, tu as le respect, la confiance et la capacité à se remettre en question, à écouter le feedback des autres. Oh, pas mal. C'est-à-dire que là, c'est clair en fait, chez Odyssée, on peut dire à l'autre s'il a fait de la merde. On peut remettre en question le compositeur. On peut remettre en question, lui peut me remettre en question, j'accepte, il accepte, ouais. Et on construit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des gens qui n'acceptent pas ce retour, moi je pense que ça peut pas forcément marcher. Et je me rends compte qu'on a vécu ça chez Fréquence Métal et que ça a mal fini, effectivement. Ouais. Non, mais comme toi, tu vois, c'est pas quelque chose que j'entends souvent, mais que là, en vrai, tu viens de me faire percuter au moins deux histoires chez Fréquence Métal. Quand tu vois qu'il y a un truc qui marche pas, tu le construis, tu fais autre chose pour que ça marche derrière, évidemment. Non, j'ai pas de blague con. Ça marche pas, tu boites, pardon. C'est une blague d'handicapé, c'est moi qui ai le droit de les faire. Pour un festival, du coup, ça va être un peu différent, la durabilité, parce que vous travaillez pas. Pour moi, la durabilité, c'est d'abord la vision commune au départ, initiale. Ouais. Et puis après, la capacité d'avoir envie de changer ensemble les choses aussi. Ça se rejoint, en fait. C'est-à-dire que le moment où tu as la vision, tu as le socle. Il ne faut pas non plus rester sur ses acquis et se dire la vision elle est comme ça puis ça ne changera pas. Il faut être capable d'avoir envie de changer les choses, d'être flexible et d'entraîner en fait toute l'équipe dans ces changements et d'avoir envie de se donner des nouveaux challenges. Après je me pensais s'il n'y avait pas une surcouche pour vous, parce que du coup le fait que vous n'êtes pas un groupe mais un festival, vous avez beaucoup plus de personnes à tenir. Et du coup, comment tu fais pour garder toute cette équipe de 22 personnes ultra motivées toute l'année ? C'est justement la suite de la réponse. La durabilité, c'est aussi l'équipe du festival et les équipes que tu crées, les moyens humains que tu mets en place. Parce que si tu changes d'équipe tous les ans, ça va être compliqué pour toi, je pense, de tenir un festival à long terme. Là, l'avantage, comme le Plein Air Fest ou des festivals qui sont montés depuis longtemps, bah, en fait, ça se rôde parce que les personnes qui créent ce festival au fur et à mesure se connaissent et ont une connexion beaucoup plus rapide, beaucoup plus instinctive. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Tu connais la personne, tu sais comment elle va réagir, tu sais ce que tu peux dire ou pas, enfin, les idées fusent comme ça, et les moyens humains, c'est vraiment essentiel. Tu parlais de ton rôle au Hellfest, les roads par exemple, enfin, ça va des roads jusqu'au régie tech, au directeur technique, etc. C'est vraiment... c'est ces personnes-là que tu vois, mais... tu vas essayer de chérir aussi, parce qu'elles sont importantes à fond pour ton festival. Si tu enlèves cette personne, bah t'as pas de festival. Ouais. Et voilà, c'est ce côté un peu amical, professionnel que tu crées au fur et à mesure de l'année. Prenez soin de vos rôles. Après, nous, on est 22 à Mediaton, mais en fait, le festival, il est vraiment porté par une commune, il est porté par les sonorités de mon cul, il est porté par BAM Production à la direction technique, il est porté par plein d'habitants du village et par nous. Et en fait, c'est l'ensemble de tous ces gens-là. Il faut qu'on arrive à trouver il faut que la vision soit suffisamment commune au départ. Mais aussi que les uns écoutent les autres et qu'on soit OK pour changer ensemble. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est hyper chouette. Tu vas avoir 5-6 personnes à qui il faut jouer, il faut gérer les sentiments, les ressentis et tout, pour que tout avance dans la même direction. Mais vous, le festival, t'as 14 équipes de 22 personnes. Nous, on fait un bordel monstre, en fait, à gérer. On fait des rendez-vous chaque mois, qu'on appelle des codir, donc où il y a à chaque fois la direction technique. C'est comme les tuperons. Réunion de co-direction, on va dire, où il y a à la fois la mairie, où il y a à la fois les sonorités de mon cul, où il y a à la fois la direction technique, où il y a la communication, et où on échange sur tout. On échange sur tout, c'est-à-dire que tout le monde échange sur tout, et c'est là où il va y avoir des frictions, il va y avoir des idées, il va y avoir des trucs où à la fin de la réunion, on va se dire en fait, on va faire ça, alors qu'on n'avait rien prévu, que le festival est dans 2 mois et qu'on va tomber d'accord. Ouais. C'est tout le temps en mouvement, en fait, jusqu'au dernier moment. Du coup, petite question, parce que tu parles du coup de comment... Tu as répondu à mes questions, mais du coup, je vais la poser à tous les deux. On va commencer avec toi. Comment se vit l'avant-festival? Genre, juste avant l'ouverture des portes. Est-ce qu'il y a un climax? Est-ce que c'est un bordel pour vous? Bah non, le climax, il n'est pas à l'ouverture des portes, je trouve, personnellement. À l'ouverture des portes, c'est... En fait, t'as bossé tellement de mois pour ce moment-là. Ouais. Pour 18h00. Pour accueillir ton public. Tu l'accueilles comme tu l'accueilles. À 18h, bon, il y a toujours un petit retard d'ouverture, quoi, mais... Ah, c'est un soulagement aussi, genre, ok, c'est bon, c'est parti. Tu vois, tout ton taf que t'as abattu avant, bah, il est réel, il est concret, il y a des gens qui sont là, qui arrivent. C'est super excitant. L'ouverture d'un festival, c'est... Donc pour toi, c'est l'ouverture qui est excitante, mais à la fois un soulagement.
Moi, j'aurais vu ça comme une dose de stress. En mode, non, mais oui, bien sûr qu'il y a une dose de stress à fond, mais l'excitation, elle vient de cette dose de stress. Genre, putain, on est dans 5 minutes, attends, il faut que je fasse ça. Tu bombardes, et chacun, en fait, à ce moment-là, est précis dans ses missions. On a pas le temps. Donc, en fait, en 3 mots, tu donnes ton info, il te répond pas, et puis... C'est là où tu as intérêt d'avoir des équipes qui te comprennent à demi-mot. Exactement, le lien avec les équipes, tu comprends la personne, tu connais la personne, etc. Moi, je suis plutôt excitation et joie intense comme Tariq, mais je me chie dessus aussi. et les deux émotions... Bonjour monsieur, je connais bien ce sentiment. Et les deux émotions, elles vivent pas hyper bien ensemble. Ouais, ça fait un truc un peu bizarre. Tu cherches plus souvent le pantalon, c'est tout. Voilà. Et pour un groupe, du coup, quand vous allez jouer en festival, l'avant-festival, c'est quoi? C'est adrénaline et stress. Et puis, enfin, moi personnellement, ça part sur scène en fait. Ouais, donc toi, t'attends vraiment le dernier moment sur scène pour tout lâcher. Ouais. Je stresse pas beaucoup en fait. J'ai pas tellement de stress. Un peu avant. T'as de la chance. Mais oui, c'est cool. et après, ouais, quand c'est sur scène, c'est parti. Quoi. Okay. Et pour celui qui va rencontrer Ten 56, je veux pas rajouter une couche de stress, mais. Ouais, c'est l'excitation surtout avant de jouer. Avant de le rencontrer. J'ai envie de jouer fort, de taper fort. Et en fait, il y a le typique de stress quand t'es sur le côté de la scène à attendre. Ouais. Tu vois les gens et tu fais. Cette tête qui passe comme une autre. Oh putain, ils sont liés les cons. Est-ce que vous avez cette crainte en festival de commencer à l'heure? C'est tellement timé. Les slots de festival qu'il faut que tu commences à 22h00. Ouais, est-ce que tu vas tenir ton set en fait? Plateau. Ouais. C'est tout installé et tout, et surtout quand on a des soucis techniques, on est essayé de tout checker au dernier moment, tout bien installé. Non, là on commence en fait au plein air, donc c'est vrai que c'est... Ouais. Il n'y aura pas de changement de plateau. Vous avez toute la journée pour vous installer. C'est fou, ouais, non, là c'est... Ouais, non. Ça peut être ok. Non, là on est rodé au niveau... hier soir typiquement, on n'avait pas notre bassiste, on n'avait pas notre ingé son, on a eu des petits problèmes techniques. Mais là voilà, normalement on est rodé sur un nombre de minutes, là on a fait un bon boulot là-dessus. Donc c'est juste avant. Ouais. Et toi, juste avant. Ton stand ou pardon, excuse-moi. Non, mais en fait, et le côté timé, c'est qu'on a un ingé son avec lequel il nous aide beaucoup au niveau tech, on a beaucoup de confiance en lui et il nous assure le timing à chaque fois quoi. Donc ça c'est hyper important. L'ingé son et moi ça me rassure. C'est-à-dire que le niveau de l'ingé son, à partir du moment où je sais qu'il est là. Moi, je suis plus calme. J'ai connu un groupe qui se préparait à l'avant-scène avec les ears qui mettaient à tel moment, 10 minutes avant. Ouais. Et en fait, l'ingé lançait un son. Ouais. Enfin, en fait, il y avait un truc pendant 10 minutes. Ouais. Et au fur et à mesure, ça te permettait d'arriver tranquillement sur scène. Tu savais qu'à tel moment, tu étais en bas de scène. Ah, et ça te mettait dans le mood suffisant, tu vois. Comment dire, pour aborder la scène en mode, ok, c'est bon. Tu vois, ça t'amène le timing. Ok. Tu sais que... Okay. Ah, c'est pas mal. Moi j'attends juste le sample de l'ingé son qui lance. Et du coup je sais que c'est mon entrée, donc je rentre tranquillement. Ouais. Je me précipite pas parce que sinon je vais me manger le truc, je vais tomber, enfin ça va être n'importe quoi. Donc tranquillement sur scène, je m'installe, les copains s'installent, j'attends, je me mets dans une bulle, je regarde, je fais ok, tu fermes les yeux, reste concentré. Et puis après, dès qu'on voit que tout le monde est prêt, voilà, on serre les fesses devant plus. Et puis après, je n'avais pas fait une bâton. On lance, c'est bien, enfin bref, tout le show commence. Et puis là, c'est bon, c'est parti. Ouais. Concentration, elle est là. Et du coup. Toi, quoi, aurais un stand? Du coup, ça fait très longtemps que j'ai plus de stand sur les fests. Par contre, souvent, j'accompagne mes groupes, et notamment sur Monolith, qui est le groupe de mon mari, y a pas de secret. On l'a pas deviné, il y a deux semaines. Le fait est que personne le sait, ça, mais du coup, je vais le dire. Pour l'exclu. Metal, exclu de ouf. Prends ça, WFM. Il se trouve que les Monolith ont des machines à fumer. Qui changent de couleur et tout, et personne ne sait qu'elles sont pas réellement programmées et que c'est moi qui appuie sur la télécommande. Non. Et si. Et donc du coup, je me balade dans la salle pendant tout le set avec ma télécommande et je sais quand je dois appuyer dessus. Et ça, c'est de l'amour. Et si tu veux, sur la dernière scène qu'ils ont fait, il y a quelqu'un de super sympa qui s'est dit « Ah bah, il y a une télécommande sur le bord de scène, je vais la mettre sur le baffle. » Ah, et donc tu n'as pas... Et là, j'ai eu un moment de genre... Et j'ai entendu le début de la bande-son et j'étais là genre,
elle est où la commande? Pourquoi elle est pas à sa place la commande? Elle est où ma putain de commande, tu vois? Et puis comme nous on est des malades, on emmène notre fille en festival et tout, et on emmène les deux. Donc déjà j'avais dû trouver une pote pour me garder le tout petit bébé, mais l'autre, elle me dit, papa il est où? Ah papa il est là-bas, je vais courir partout dans la salle. Non. La télécommande, la télécommande. Je sais que tu es petite, mais sois utile, cherche la télécommande avec ton enfant. Donc du coup, non, ça c'est un truc qui arrive maintenant, on va le roder mieux, hein. Je pense qu'on va finir par me filer la télécommande avant de monter sur scène, et que ça marchera vachement mieux. Tu te faire un holster à la télécommande? Ouais, bon, un truc, tu vois, mais voilà, mais donc du coup, ça, et donc pareil, en fait, à chaque fois que j'ai un de mes groupes qui est là, très souvent, je gère leur merch pour les aider, ou alors je les aide à s'installer, à décharger, et en fait, finalement, moi, ça va, mais j'essaie d'absorber leur stress à eux, pour qu'ils aient des choses en moins à penser, quoi. C'est tout un bordel monstre. Oui, moi j'aime bien faire ça. Ouais, mais c'est cool. Ils ont de la chance de t'avoir. Du coup, la régie, on va se faire une petite pause musicale. On va vous envoyer encore deux titres. Et encore une fois, les deux artistes qui vont vous être présentés en clip seront présents au festival. Du coup, on va se faire ce petit truc. N'hésitez pas à poser vos questions parce que la régie est là pour y répondre. On va se faire cette petite pause pour nous prendre à manger et à boire. On se retrouve juste après. Est-ce que la régie est prête à envoyer deux clips? Eh bah let's go les gars, coupez-moi la gueule et envoyez-moi du son.
Ou les redis. Donc vous êtes toujours sur Twitch ou sur Rock en Folie, ça dépend si vous avez choisi le son ou l'image, à votre convenance, les petits loulous, c'est fait pour. Du coup, on arrive dans la dernière heure de cette émission. Ça fait quand même 2 heures qu'on parle. Par contre, tu avais raison, c'est vrai que ça passe très vite. Ça passe super vite. Deux heures. Je dis ça, ça fait 4 ans qu'à chaque fois les groupes viennent. Ouais, oh, tu crois qu'on aura le temps, ça va être long, 3 heures. Et au bout des 3 heures, et merde, j'ai oublié de parler de ça, et merde, j'ai oublié de remercier. Chaque fois. Ouais, c'est dingue. Mais c'est parce qu'avec on a l'entraînement. Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est pour ça aussi que ça peut paraître long, 3 heures. C'est ça. Ah, l'émission, c'est mets-toi à table, laissez-le manger tranquille. Ah oui, bah lui, il est en train de faire son goûter, si tout va bien. Voilà. Est-ce que tu m'enverrais pas un jingle pour faire le dernier petit questionnaire ? Ah oui, encore mieux, là franchement. Oh yeah. J'aime bien avoir des jingles qui n'ont rien à voir avec l'émission. C'est fantastique. Andrew s'est encore frappé. Oh les bâtards. Elle est propre celle-là. On va parler un peu plus des clichés cette fois-ci, et notamment le cliché des festivaliers. Du coup, je vais vous poser des questions, il faut me dire si vous avez une anecdote ou rencontrez un festivalier qui pourrait répondre à ce critère. Vous êtes prêts? On va commencer avec Tariq, parce que t'as l'air... Ou pas hein s'il faut donner le nom du festivalier. Non, pas forcément. Non, on va rester, vas-y. Moi-même, j'en ai quelques-uns qui sont assez monstrueux, mais je ne citerai pas les noms. Ça se fait pas. Surtout que Clément, après, va mal le prendre. Enfin bref, du coup, Tariq. Le cliché du festivalier qui, pour toi, avait tout prévu. Oh, wow. Parce qu'un jour, t'es tombé sur quelqu'un, tu dis « Ah ouais, non, mais il est allé trop loin. » Ouais, non, mais j'en ai plus dans la tête, c'est le problème. On a une anecdote. Ah, le festival... Mais tu sais, le festivalier équipé en rando, tu vois. Ah ouais, qui, quoi qu'il arrive, en fait, il sait qu'à tout moment, il va kiffer son festival et qu'il peut s'endormir là. Mais que c'est prévu... C'est tellement bien prévu que s'il s'endort là, il a tout à portée de main. Il a ses bouquets, il a son eau, il a sa petite barre de céréales, justement, tu vois, qui est trop mignonne. Son spray anti-moustique. Il a son spray anti-moustique et il sait qu'il va prendre le soleil, il a un truc pour cacher son visage par rapport au soleil, il ne va pas se lever. Ok. Ah, il m'a... C'était au Garro Rock, normalement, de côté ouest, c'était incroyable. Il m'a vendu du... Tu sais, le côté un peu pêcheur, tu vois. Ouais. Avec son petit tabouret des pigeons. Un peu Gogo Gadget. Ouais, c'est ça. C'était un peu trop. J'ai une rencontre un peu chelou pour que je raconte comme ça, dis-moi. Pour toi. Moi, ça va un peu rejoindre ce que dit Tariq. C'est le festivalier qui va avoir, au niveau vestimentaire, absolument tout pour gérer quelle que soit la météo, quelle que soit le truc. Celui qui te choque le plus, c'est celui qui est venu avec sa commode d'IKEA. Moi, j'arrive en festival, j'ai toujours un moment où je dis merde, j'ai pas un truc pour la pluie, merde, j'ai pas grand chose, quoi, parce qu'en fait, je suis en festival. Puis il y a des gars, ils sont là, tchouk tchouk, attends, dans mon sac, attends, mais non, mais d'ailleurs j'ai 3 t-shirts, attends, mais j'ai un truc, hop, mais attends, j'ai une parka, j'ai un truc, attends, un parapluie pour ton gars. En fait, ton ils nous disent que c'est pas possible, ils tirent un stand, le mec, non, tout va bien. Ouais, les gars qui sont mais tellement bien équipés, mais surtout, et puis tu sais qu'ils changent de fringues des fois au milieu du festival. Tu sais, il y a un moment, au chiot, il revient, ouais, bon, en plus j'ai décidé de mettre ça, je trouvais que ça allait mieux avec le groupe et tout, tu fais, ok. En vrai, j'en ai jamais croisé comme ça va être fou. Ellie, est-ce que t'as une anecdote ? Bah du coup, moi je suis les deux clichés qui viennent de se parler. Parce que normalement, tu vois, genre, mais du coup, je vais reprendre l'exemple du FS parce que c'est plus pratique, mais le matin, je décharge des camions, donc j'ai pas ma belle robe, tu vois. Et après, quand je vais faire la promo de mes groupes, et bah, j'ai mes CD dans mon sac à main. Et tu décharges ton propre camion, au bout d'un moment. Ouais, tu vois, et puis j'enlève mon t-shirt plein de sueur des camions du matin, tu vois. Et je mets ma petite robe et puis je pars avec mon carton de CD et. Surtout qu'avec tes deux... J'ai toujours un truc sur moi. T'as tes petites lingettes, ta brosse à dents. Bah oui, parce que j'ai ma brosse à dents pour le midi parce que. Tu te remets un petit coup de make-up. Et le petit coup de rouge à lèvres dans la ceinture banane avec plusieurs poches et tout. Où il y a aussi mon planning promo dedans avec les interviews pour les groupes. Mais du coup, à l'inverse, moi, ce qui me choque dans les festivals, c'est les gens qui n'ont rien prévu, du coup. C'est la deuxième question, vous ne pouvez pas tout faire. Ah bah, okay. Tu vois, en l'occurrence, c'est une pote à moi que, mais du coup, on a fait qu'un seul festival ensemble, mais non, c'est la meuf qui n'avait pas compris où elle allait. C'est celle qui se pointe où elle fait son talon aiguille de 17 cm et qui sait pas qu'il y a de la boue. J'en ai croisé plus tard. Tu vois, et qui sait pas que ça va faire. J'ai eu le même réflexe avec deux jeunes qui sont et puis en plus, c'est la même meuf qui, quand elle te dit bonjour, te regarde de haut en bas en mode genre, ah ouais, pecnote quoi. Elle finit pieds nus. La question, c'est celui qui t'impressionne. Moi, il t'impressionne parce qu'il a tout prévu. Ah oui, parce que moi, je pensais justement aussi à cette personne qui a. C'est la question d'après, mais pas tout de suite.
Bah pour le coup, du coup, je sais pas trop. Parce que j'avais réfléchi à l'autre, mais celle-là... Enfin là-bas bon, en même temps, on a fait les deux extrêmes, donc ouais, il vous reste ouais, pas là, grand-chose. Moi, c'est un mec qui avait prévu le hamac avec les mousquetons. Ah oui, putain, ah, ouais. Ouais, ouais, oui. Quand t'as ramené tes mousquetons, ton hamac et tes cordes, ouais. Tes cordes pour tirer, tu fais... Tu sais, genre, j'ai une pote, elle a son canapé gonflable et elle fait comme ça, là, et puis elle a son canapé devant les scènes. C'est pas mal ça. Ah, c'est stylé. Genre. Du coup, voilà. Du coup, on arrive à la deuxième question. La petite chaise, la petite chaise pliable est pas mal aussi. Ouais. Je suis très bourrin encore, ça. Ouais. On va continuer avec toi, du coup. La chaise des quatre avec le porte-gobelet et tout poncé. Oui. Le plus gros choc que t'as eu, mais vraiment le festivalier qui arrivait des mains dans les poches. Le plus gros choc que t'as eu. Moi, j'en ai un, il était vraiment venu avec rien. Même pas ses clés de maison. Rien du tout. Il a pas compris que ça durait 3 jours. J'ai halluciné. Je passe mon tour. T'en as pas eu ? Ok. Non, pour toi. Si moi j'avais fait un festival électro où en fait le temps il changeait un peu. C'était aux Pays-Bas. Il faisait beau, mais très froid. Et les mecs se ramenaient, short, t-shirt, et ils ont pas changé pendant 3 jours. Du coup ils étaient là le matin à 6h du mat, il faisait 3 degrés. Et dans l'après-midi il faisait 20. Du coup ils étaient là et ils ont fait que du chaud, du froid, du chaud, du froid. J'ai connu ça en Allemagne où tu peux passer de la pluie à la neige en une journée. Ouais, c'est ça doit être. C'était incompréhensible. Ouais, short tong, ouais, violent. Ouais, c'est... Je... Du coup, t'as demoiselle en talon aiguille ou t'en as une autre? Non, j'en ai une autre. Enfin, chaque année, je me dis ça sur beaucoup de concerts, parce qu'on se croise plein de fois dans l'année. Mais tu sais, je suis hyper pote avec un mec qui s'habille en viking tout le temps, qui s'appelle Alexandre Sacha, de son nom. Mm-hmm. Et toute l'année, il est avec son petit truc de viking, là, sa petite jupe de viking, c'est sa peau, et sa corne. Et franchement, hein, tu vois, genre il y a 12 mois dans l'année, je pense que 9 mois sur 12, il est torse nu. Tu vois, avec les tatouages trop beaux des vikings, machin et tout. Et moi, je sais pas comment il fait. Hein. C'est une habitude. Tu vois, parce que je l'ai jamais vu avec un coup de soleil. Genre jamais. Ça n'existe pas chez lui. Pourtant, il est blanc comme un cul, mais non, il n'y a pas de coup de soleil. Enfin, tu vois, et ça moi, ça m'impressionne. Il bronze à la méthode bretonne. Tu vois, mais sous un arbre, t'attends le coup de foudre. Je l'ai toujours connu avec sa corne remplie de bière. Déjà, cette corne n'est jamais vide, mais lui, il est jamais défoncé. Donc, du coup, je sais pas trop. Parce qu'il la boit pas. Mais je sais pas. Ah, je sais pas. Je vois tout le monde mettre sa bière dedans, tu vois. Donc ça, moi, ça m'impressionne aussi. Ok. Ben moi, quand je vois quelqu'un de très peu équipé qui a pensé à rien, je suis soulagé. Je me dis, je suis pas tout seul. Vas-y pour ton Eric, du coup. Moi, c'est plutôt le festivalier qui a abandonné, dans le sens où c'était un peu prévu qu'il soit bien équipé, mais en fait, à un moment, il abandonne, c'est trop pour lui. Et tu le retrouves avec une tombe, une chaussure, avec un short de bain, mais tu sais, c'est le truc qu'il a utilisé pour sa douche. Et son t-shirt, en fait, c'est devenu son bandana, tu vois. Tu sens que le mec, il a abandonné. Et tu vois le regard vide un peu, de toute façon, faut que j'aille au bout, quoi. Il a capté où était le bar, les selles, et voilà. J'en ai deux qui t'auraient plu, où j'ai croisé, comme ça que je disais, deux gamins qui sont arrivés, mais vraiment typique 16e, petit short, chemise en soie, et qui étaient dans la fosse de Slayer, mode, sortez les gars. Et en fait, je me souviens que j'ai juste vu deux jambes. Enfin, deux paires de jambes faire ça, je me suis dit, ils sont morts. Et en fait, après, je les ai vus ressortir. Le short était tellement déchiré, tu connaissais la marque du slip. La chemise, il y avait plus rien. Et ils ont dû passer encore 2 jours comme ça. Et tu dis, mais les gars, c'est Koh-Lanta. Ils se retrouvaient à poil. En mode, vas-y, t'es équipe jaune, démerde-toi, tu vois. Et ouais, tu sais quoi, ça me fait penser à une. Moi, un peu effrayé. Ça me fait penser à une anecdote comme ça, mais pareil, c'était là, cette année sur un festival. J'ai un pote qui est venu avec un pote à lui. Ouais. Qui faisait une thèse sur les musiques actuelles et mon pote lui avait dit putain mec tu fais une thèse sur les musiques actuelles, t'as jamais été à un festival, viens on va sur un festival de métal. Le mec il était pas prêt en fait, hein. Il venait des Beaux-Arts et dans la vie il avait jamais fait de festival tout court. Excuse-moi, où sont les douches derrière les 250 personnes? Et bah c'est quoi, c'est le premier truc qui s'est passé. En fait il lui a dit comment ça j'attends pour la douche. Le mec il a dit pour le logement c'est bon, on a les passes du fest, le logement c'est bon. Puis mon pote, tu as dit ouais, le logement c'est bon. C'était la tente Quechua en fait, il savait pas. Il savait pas, tu vois. Et du coup, le pauvre doudou qui avait travaillé en musée toute sa vie, et voilà, lui il était plutôt habitué aux 4 étoiles, tu vois. Donc quand on lui a dit le bracelet bleu c'est l'eau pour les douches, il a pas compris en fait. L'eau pour les quoi? Il a pas compris. Et puis tu vois, genre en plus, moi je l'avais vu avant sur une convention où on était en dur, enfin tu vois, on était dans un truc qui ressemble à ici, tu vois, avec des murs, un toit, un truc clean, tu vois. Donc là on était en festival plein air, et puis
je le vois qui arrive pour me dire bonjour, il était défait, quoi. Et je fais, mais attends... Alors c'est ça la campagne. C'est le mec qui est perdu. Non mais il y avait ce truc, genre, t'es sorti de Paris, enfin, il allait pas bien, quoi. Et tu vois, quand il m'a dit, tu sais où je dors, c'est bah... Là. Oui, en gros. Et puis moi je dis, sur le camping. Oui, sur le camping. Et tu sais, et puis, bah quoi, j'ai une tente. Oui. Et ça, il est pas réalisé. Bienvenue dans le monde. Et ça s'est fini par, attends, je vais t'offrir une bière, tu vois. Ouais, non, mais... Il y a un décalage, le pauvre, il n'était pas prêt. Mais non, il est resté 15 jours, tu vois. Moi, je dois dire juste un truc, c'est que sur le Plein Air Fest, moi, ça fait du coup 4 éditions que je programme. Et comme globalement, j'ai rien à faire sur le festival. Ça fait 4 ans qu'ils squattent dans vos tentes. J'ai rien d'opérationnel, j'ai rien d'exécutif. Sur le festival, en fait, bah, je vais parler aux gens, je vais profiter, je vais voir. Mais en fait, je suis festivalier pendant le festival. Et donc, je passe tout le festival avec les festivaliers, je vais dormir au camping. Et c'est un moment qui est génial parce que du coup, j'ai l'impression d'être un peu. Les gens ne me connaissent pas, enfin, je sais pas. Oui, oui, c'est un microcosmos, les campings. Et du coup, j'écoute et j'entends tout ce que les gens racontent, et j'entends les anecdotes, et j'entends. Et donc, je suis complètement au milieu de ce truc-là, et ça me donne tout le temps plein d'idées. Je me dis, ah, c'est génial, ah, ils ont vu ça comme ça, et tout. Et je trouve ça, ouais, c'est hyper agréable de travailler toute l'année sur un festival, et pendant le festival, juste d'être un festivalier lambda, en tout cas aux yeux des autres, quoi. Ouais, c'est trop bien. Du coup, on va être méchant, mais pour vous, le pire festivalier que vous ayez croisé, un qui vous a vraiment, vous avez eu envie de le tuer, ou lui dire, sors de ce festival, le pire. Ah, un peu trop bourré, quoi. Ouais, le relou. C'est ouais, ça. Il y en a qui deviennent compliqués, effectivement. Ouais, c'est oui. C'est plus le relou, ouais. Je faisais partie dans le Hellfest Cut, je faisais partie de ceux qui ont très vite eu le brassard en mode si t'as des problèmes à cause d'un mec bourré, approche-toi d'un mec à brassard, il est censé mettre des gifles à tout ce qu'il dit. Ouais, ouais. Je m'étais porté volontaire pour mettre des gifles. Ça, c'est. Le petit brassard mec safe, tu sais. Ah non, mais vraiment, mais c'est, bah depuis ça a été appliqué par le Hellfest maintenant. Ah oui. Mais moi, le pire festival que j'ai vu, c'était un mec que j'ai appelé le sonar. Parce qu'en vrai, il était debout et il marchait à 1 km/h, comme ça, tu vois, très doucement. Sauf qu'en vrai, il était en coma éthylique. Et il marchait tout droit à un point que, quand il rencontrait des gens, il s'arrêtait et il attendait que la personne se décale pour continuer à avancer. Et on a essayé de le plaquer au sol, ça marche pas. On a dû se mettre à 4 pour le soulever et l'emmener à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge a dit, il est en coma éthylique, mais il marche debout. Mais ça a été un choc parce qu'il était dans un état. C'est un somnambule en coma éthylique. Un zombie. Bah faut venir en plein air fest, parce que l'armée des morts, tu vois, ça, il aura son rôle. Non, tu peux pas conseiller aux gens de se mettre dans cet état, Tariq. C'est moche. Vous avez eu un conseil, vous avez croisé quelqu'un comme ça que tu dis, faut arrêter. Bah moi c'est le festivalier qui va râler parce que je l'ai un peu poussé, tu vois, sans par mes gardes, quoi, tu vois. Ah, là où tu voulais passer, il était là. Ouais, tu sais, il y a 6000 personnes ici, donc c'est normal qu'à un moment donné, je vais percuter quelqu'un sans faire gaffe, tu vois. Ça, je comprends pas, en fait. Et du coup, quand t'as découvert le métal, le pogo, pourquoi tu t'es pas dit, c'est bizarre, ils se renversent tous les uns les autres, mais ils râlent pas? C'est une très bonne question. Parce que venant du hip-hop et ayant fait des pogos un peu métal, il y a une bienveillance dans les pogo métal qui est incroyable. Vous êtes trop fort. C'est-à-dire que le premier Circle Pit que j'ai fait, c'était, comment il s'appelle le groupe français qui a joué l'année dernière, il y en avait pas mal, je sais plus, qui a dit, ok, on fait un Circle Pit, mais autour de la régie. C'est génial. Ces petites dédicaces au régisseur. C'était incroyable. Et moi, du coup, ok, je prends l'opportunité à fond, je fonce, tu vois. Faisant de la communication, je dégaine mon téléphone et puis je filme un peu les images. C'est pas Sylvie Larsen? Non, c'était avec deux gars, deux femmes sur scène aussi, là. C'est un populaire un peu français. Tout. Du coup, c'est une chenille un peu rapide. Tu t'es dit, c'est comme la chenille en belle famille. En fait, j'y suis allé, c'était super, je me suis grave marré. Et un premier gars qui me dit, attention à toi, regarde bien devant toi et tout, parce qu'il voyait que j'étais en train de filmer. Ouais. J'étais en mode, mais merci, d'accord, tu vois, genre ouais. Tout va bien. Il peut pas, m'accroche pas, tu vois, histoire de... Voilà. et la deuxième personne qui enchaîne, me dit, oh, tu kiffes, bah ouais, gros, de ouf. C'est la chenille, à quelle heure, en fait, tu poses cette question, un truc comme ça, je trouvais ça, c'est trop mignon, en fait, tout le monde prend soin de tout le monde, et s'il y a, bon, même dans l'hip-hop, s'il y a quelqu'un qui tombe, tu vois, on ramasse vite la personne. Chez nous, c'est une règle essentielle, quand on a un qui tombe, mais tu n'en penses pas, les 6 autour se mettent, bloquent, font rocher et les relèvent.
Après, oui, il faut dire que ouais, on a, nous, ils sont élevés à la bière, ça donne des... Non, c'est très des gabarits un peu plus. On nous a proposé opium dans le chat, c'était peut-être... Ah, c'était ça, exactement. Ah, opium du peuple. C'était opium du peuple. On nous a dit, celui qui se sert de son gobelet comme urinoir et qui le lance dans la foule, mec, si je te croise, je t'enterre. En Angleterre, c'est un sport national, ça. Au Download Festival en Angleterre, j'ai halluciné du nombre de pintes de pisse qui étaient envoyées sur la foule. Il y a une très bonne question dans le chat, je la garde juste pour après. Pour vous, alors dernière question comme ça, l'OVNI, alors j'ai une putain d'histoire, l'OVNI que vous avez rencontré comme festivalier, mais vraiment tu dis qu'est-ce qu'il fout là? Ah bah du coup moi j'ai déjà raconté. Ouais. Ah bah oui, la robe de soirée, les talons aiguilles, bon, c'est de la terre madame, vous allez compliquer. Il y a beaucoup d'OVNI quand même hein, dans les festivaliers métal. Oui. On a quand même une large palette de... Le plus OVNI que t'aies vu. Bah moi. ouais, c'est une très bonne. Lui, il est tombé sur un miroir, qu'est-ce que je fous là? Tariq au milieu d'un circle pitre. J'avoue que t'as dû te poser des questions, toi, si tu l'as vu. J'imagine, lui, qui regarde le circle pitre, qui voit Tariq passer. Qu'est-ce qui. Et il filme en plus, d'accord. Non, mais après, je sais pas, j'ai genre un gars déguisé en Jésus sur sa croix, en train de se faire crucifier. C'est drôle, ça, mais au milieu, à moitié scarifié, et voilà. C'est bonnes sœurs qui ne s'en sont pas vraiment. C'est un classique, ça me permet. Est-ce que vous avez un autre truc? Moi j'en ai une. Je suis tombé sur une punk à chien, mais vraiment. La vraie punk à chien rasée et tout. Sauf qu'elle était doublée d'une infirmière et elle vient m'engueuler parce que j'avais pas mis de la crème solaire. T'entends quoi? Mais par vraiment... elle était doublée d'une infirmière. Ouais, bah, parce que ça devait être son métier, je sais pas, tu vois. Mais okay. Tu t'attends pas vraiment à ça? D'accord. Toi oui, tu vois, c'est... Voilà. J'imagine bien. En fait, là, j'avais une image. Ah non, oui. C'était double soit elle avait une tête là, une tête d'art. Oui. Ouais, il y a différentes c'est images. C'est pour ça que je vais poser la question. Ouais. Mais alors, je dis double parce qu'elle avait la douceur d'une infirmière qui dit « Il faut que tu mettes de la crème solaire », mais ouais. Le côté punk à chien où je me suis fait insulter pendant 30 minutes pour que je mette la crème solaire. Donc, au bout d'un moment, t'abdiques, tu fais « Je vais pas mourir », tu mets ta crème solaire, elle t'attrape le fond, elle te fait un gros bisou, genre « C'est bien ». Toi, ça fait 30 minutes que tu te fais engueuler, t'entends des mecs derrière morts de rire parce que tu te fais savater. En plus, elle avait vraiment la répartie des punks, tu vois, donc j'en prenais plein la gueule. Et à ce moment-là, elle te fait un gros bisou sur le fond, elle passe derrière et elle va embrouiller les trois autres élèves, tu fais « Les gars, c'est pour mon cadeau !» Et du coup, je la re-rencontrerai jamais, cette demoiselle, mais elle m'a fait mourir de rire. Elle est géniale. Viens au plein air fest, madame. Ah ouais, mais bien, mais vraiment, elle t'engueule, mais comme un gamin de 6 ans, tu mets ta crème, bisou, et après, elle va engueuler quelqu'un d'autre. Elle a dû passer sa journée à ça. Elle avait une ceinture avec plein de tubes de crème, et j'étais mort de rire. J'ai fait, ah, mais j'ai c'est ça le bail, en fait. Elle a costé les gens pour leur mettre de la crème solaire. Non, même pas, parce que je l'ai fait tout seul. Ah bon, bah non, c'est... comme un grand, mais voilà. Du coup, une petite question dans le chat. Au niveau des groupes qui ont joué au Plein Air Fest, est-ce que vous avez des anecdotes? Oh oui. Oh, ça sent la version officielle ou la version Non, mais dans le chat tout à l'heure, il parlait de celle d'Anciferum et il a pas raconté, du coup, peut-être déjà raconté Anciferum, celle-là. Bah, c'était rigolo, mais on les avait programmés, c'était en 2018, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, ils étaient arrivés avec leur avion, mais ils n'avaient pas reçu les bagages, ils avaient absolument aucun matos. Merde. Oh merde. Donc en gros, le groupe était là. Et donc tu vois tous les Vikings qui sont là, qui disent on ne peut pas monter sur scène, on n'a rien. Alors ils avaient quelques instruments, mais ils n'avaient rien. Le festivalier, les mains dans les poches, c'était. Et du coup, ils ont fait. Et en fait, ils ont dit on annule, donc on s'est dit on va devoir annoncer qu'Anciferum ne va pas jouer, ça va être horrible. Et en discutant avec eux, au bout d'un moment, ils disent. On peut peut-être faire une demi-heure de trucs acoustiques. Ah. Donc avec, on a la guitare, on a machin, on prend deux, trois matos des autres groupes qui sont là. Ouais, ouais. Et on peut peut-être, parce qu'on a déjà, on avait déjà répété il y a quelques années sur un show acoustique de 40 minutes et tout. Et du coup, pris la parole, donc les organisateurs, la commune a pris la parole sur scène en disant, en expliquant la problématique, en disant, le groupe a quand même souhaité venir sur scène et faire quelques titres en acoustique. Ah ouais, ouais. Ils sont venus et en fait ils ont joué mais genre je sais pas une heure et quart. Enfin ils ont quasiment fait le truc en entier. Ouais. Ils ont fait un show acoustique qui était et donc tout le public était à fond parce qu'ils se sont dit ils ont fait l'effort de jouer quand même alors qu'ils auraient pu juste nous dire fuck. Et il y a eu une sorte de moment magique où c'était pas le show métal attendu mais c'était juste un moment exceptionnel où ils se sont dit enfin on s'est dit au Plein Air Fest là il y a un truc qui n'existe pas. Qui aura lieu que ce soir-là. Acoustique pour l'impression, j'avoue que c'est... Que c'était hyper bien, et qu'en plus de ça, l'année suivante, je reçois un mail du tourneur qui dit « Le groupe a tellement kiffé ce qu'il a fait chez vous,
qui vont faire une tournée acoustique. Non, trop bien. Et derrière, ça a donné envie au groupe de faire une tournée acoustique en Europe. Donc, ils ont fait une vingtaine de dates, MC Forum acoustique, parce qu'ils ont fait, mais en fait, ça marche, c'est cool. Donc voilà, c'était. En vrai, en tant que festivalier, moi je tombe là-dessus, je pose mon cul par terre, je remplis la bière et la bouffe et je bouge plus. Et il y avait vraiment le sentiment de putain, enfin déjà, tu dis respect absolu pour les gars quoi. Respect total, et en plus il s'est passé quelque chose, et puis il y avait comme de l'énergie, et il y avait un truc de fou. J'imagine le festival s'est terminé comme ça quoi. J'imagine le pauvre malaise du groupe qui arrive, les mains dans la poche, on n'a pas reçu nos instruments. Oh, galère. Et ils se disent on fait quoi, tu vois. C'est bon, on va chier notre race. Ah, t'en avais une moins bien, c'est pas grave. Ah, c'est génial. Comme anecdote. Moins bien, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça va être encore plus compliqué pour la question. Son semi-remorque avec une scéno incroyable, mais qui en fait, ça passe pas, quoi. Et c'est trop con, parce que tu passes l'énergie à monter une scéno, mais de malade, un dragon. Ils avaient, tu sais, des écrans LED, des bandes d'arcade. Tu peux pas pousser un peu fort, tu sais, ça. Non, mais c'est surtout que ça posait problème pour les groupes qui arrivaient ensuite, etc. Tu vois, c'est malheureux, quoi. En fait, t'as eu le choix difficile, c'était soit le groupe, soit le dragon. Sur scène, c'était un peu compliqué. Préfère le garde le groupe. Ouais. T'es obligé de mettre le groupe en orchestre. T'es devant la scène, c'est compliqué, quoi. Effectivement. Ah, moi, j'ai une anecdote. C'était le festival de la moto. Et en fait, le problème en fait de ce type d'événement sportif, c'est qu'ils n'y connaissent strictement rien à la musique. Ça, on ne savait pas. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que en fait, le gars qui était derrière l'ingé son, en fait, c'était un DJ. Et en fait, le gars n'y connaissait strictement rien. Donc en fait, on n'avait pas de retour. Quand il bougeait la voix, il bougeait tous les instrus, c'était une catastrophe. Donc en fait on a joué sans retour, sans rien, c'était n'importe quoi. On a fait on y va quoi. Ça me rappelle les concerts sur un parking. Ah, c'était une catastrophe, ça je pense que c'est le pire. Mais à la fin, c'était, on se marrait, on disait c'est tellement n'importe quoi que allons-y quoi, voilà. Bah oui, mais la différence entre un ingé son qui va avoir la voix, la batterie, comme on disait à l'européenne, et le DJ que lui il a juste ton MP3 du suivant. C'est une catastrophe. C'est compliqué. Est-ce que t'en as une, Ellie ? Une anecdote comme ça ? Ouais. Que j'ai le droit de raconter ? Oui, tu sais qu'on n'est pas langue de bois, donc tu peux y aller, on s'en fout. Hein. Non, je suis en train de chercher, mais. Ouais, une anecdote comme ça, mais du coup, je citerai pas qui, mais cette histoire me fera toujours rire. C'était sur un tout petit festival. Non, c'était sur un tout petit festival et c'était un de mes groupes. Ouais. Et tu sais, des fois, les groupes habitent pas dans les mêmes villes. Oui. Tu vois, et donc ils arrivent par des voitures séparées parce qu'ils se disent pas, vas-y, on va prendre un van et se rejoindre je sais pas où. Et, voilà, c'est trop compliqué. Donc ils viennent à plusieurs voitures. Bah, y a une voiture, elle est jamais arrivée. Ah merde. Il manquait le bassiste. Parce que il s'était planté et il pensait que le festival c'était le lendemain. Ah, on est fait ouais, carrément. Du coup, et puis en fait au début donc on fait les balances et puis je me dis, je regarde, il en manque un quand même. Ouais, mais t'inquiète, il arrive souvent. Il manque pas, dougou. Il a pas besoin de faire de balance. De toute façon c'est pas grave. T'inquiète, il gère de ouf, pas de problème et tout. Bon, d'accord. Bon, le show est dans 3 heures, il a le temps d'arriver. Le show est dans deux heures. Bah quand même, et puis tu sais, puis je réfléchis, je fais mais attends, il habite pas si loin que ça pourtant. Je vais lui envoyer un assassin là bientôt. Et puis je leur demande, je fais les gars, vous êtes sûrs qu'il va bien? Il fait ouais, il nous a dit qu'il mangeait un truc tout à l'heure et tout. D'accord. En fait, il faisait sa vie, il était dans le canapé Netflix. Et c'est là que je tilte, tu vois, je fais, il vous a dit qu'il était en train de bouffer? Bah ouais. Il s'est pas dit qu'il y avait le catering pour lui aussi. Genre il s'est dit, il y a le catering pour le groupe mais pas pour lui. Tu vois? Et du coup, je me dis, mais pourquoi il mange chez lui et pas au catering comme nous tous? Bah, je sais pas. Bah, demande-lui peut-être. Et du coup, en fait, il était en train de bouffer chez lui parce que pour lui, le concert c'était le lendemain, donc il avait pas de raison d'être au catering, tu vois. Le tu fais quoi? Et lui, il répond naturellement, je mange, je suis en train de manger. Ah, ok, super. Alors qu'il aurait répondu Netflix and chill, tout le monde comprenait que c'était pas bon, qu'il fallait qu'il bouffe son cul. Et effectivement, il est arrivé à 3 minutes du début. En fait, j'ai demandé au groupe d'avant de faire un titre de plus pour pas que ça se voit. Et il est arrivé, il a plugué, il a défoncé. Et j'ai pas compris. Tu vois, je me suis dit, mais bon, d'accord.
C'est le, la loi du ça, ça continue, c'est la merde, donc on creuse problème, encore. Est-ce qu'il a mangé au catering finalement? Non, il a été tabassé par le catering. Bah, tout à l'heure, je parlais en off d'une date qui a fait du mal, et c'est cette date-là en réalité. C'est une date où les groupes n'étaient pas payés, et où on avait dit au groupe, bah voilà, on ne vous paye pas parce qu'on n'a pas de thunes, machin, ça arrive souvent. Et, oui, mais dans ce cas-là, tu les nourris. Et on te bien. Dit, bah c'est pas grave, on vous laisse l'open bar. Cool. Tu vois? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Regret pour le barman. Ils sont allés au catering, ils ont défoncé l'open bar. L'année d'après, le mec, il payait les groupes. Hein. Ah oui, bah oui, mais ne dites jamais à un groupe qu'il est payé en bière. Mais vous bien sûr, dis jamais ça. Il faut t'as de tonneau pour le groupe et t'as de tonneau pour l'instant. Il y en a certains qui t'aiment. Je vais en profiter de dire bonjour à Emlis et bonjour à Inspite. Et d'ailleurs, je te remercie, Emlis, parce que les conseils que m'a donné ton jeune homme pour TikTok ont bien marché. Merci, ma grande. Du coup, voilà, c'est adorable. On fait aussi de la promo des groupes qui sont passés chez nous via TikTok. On essaye des trucs pour vous aider au mieux, au max. Du coup, une petite question peut-être un peu plus métaphysique et on va dire un peu plus compliquée, mais en tant qu'organisateur de festival et en tant que groupe, comment se vit en festival? Oh. Ah non, mais j'essaie de faire des trucs intelligents en tant que... Bah moi, en tant que festivalier... Oui. Moi, je suis Tariq qui fait des circuits. Non, tu dois avoir quand même un petit œil, tu dois avoir un petit œil critique. Te dire oui, putain, on a organisé non, ça. Mais, alors, moi je suis tout le temps en train de tout regarder, de tout écouter. T'es pas le vrai festivalier. Ben non, je suis le faux festivalier. Je suis le festivalier que. Le coup, festivalier témoin. Il est son propre client mystère en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est... Non, ouais, je me dis comment je vivrais ça si j'étais si j'avais pas travaillé sur le festival. J'écoute ce que les gens racontent, comment ils ressentent les choses. Et en fait, dans le fond, tu bosses quand même un peu aussi. Quoi. Tu fais de l'année commerciale. Ouais. Puis je vais rencontrer aussi tous les gens qui sont... J'essaie de parler avec les groupes, les médias qui sont venus, les gens de la commune. Enfin, créer du lien avec toutes les personnes, toutes les structures. Il a le meilleur métier du monde. Hein. Toute l'année, écoute de la zik. Et après, tu restes content à papoter. Quoi. Ouais. Alors après, sur l'autre festival qu'on organise, qui est un festival électro qui s'appelle Répercussante à Lyon, là, je suis dans un état de stress total. On accueille 20 000 personnes sur 3 nuits avec 4 scènes. Et ça dure jusqu'à 5 heures du matin, il y a des comportements à risque. C'est extrêmement stressant. C'est-à-dire que je passe tout mon temps à me dire, il y a une responsabilité aussi. S'il y a un gamin à qui il arrive quoi que ce soit, c'est vraiment un énorme problème. Et donc tant que le festival n'est pas terminé, franchement, c'est le stress, il est quand même à son max. Au plein air fest, j'arrive vachement plus à profiter. Ouais, au plein air, c'est beaucoup plus de chill et on profite et on parle avec la commune, on parle avec les structures locales. Et le festival se passe comme techniquement tu l'as prévu. Mais après, mon mood un peu en festival, c'est voir ce qui ne fonctionne pas et être capable de pas tout de suite en parler en disant ça c'est nul parce que. Bon, en fait, c'est fait, tu vois. C'est oui, actif, sur le coup, t'as là. Le côté, oh merde, ça a chié. Ouais, voilà, c'est merde, putain, ce qu'on a imaginé pour 3 mois, ça ne fonctionne pas. Et t'as forcément la question, l'énergie de dire, ah putain, on peut tout changer et tout. En fait, non. Accepte comme c'est. C'est et trop vis tard. Le truc à fond, tu vois. Donc, ouais, vivre chaque minute en tant qu'orga du festival, c'est primordial. Mais, quoi. Je pense qu'à à chaque instant d'un festival, d'une édition d'un festival, on est déjà en train de se dire comment on peut faire différemment l'année prochaine. Oui. C'est là où ça festival se construit vraiment sur la durée. Vous deux, vous dites festivalier, mais en vrai, vous n'êtes pas vraiment pour vous poser trop de questions. Et même toi et moi, on sait très bien que même quand on va dans des festivals soi-disant où on est inconnu, quand tu mets 1h30 à faire le tour du Mency alors que ça se fait en 5 minutes parce que tu as dit bonjour à 14 000 personnes, t'es pas vraiment festivalier. Du coup, pour un groupe, on finira avec nous. Du coup, pour un groupe, ça se passe comment? Bah nous, ça va être particulier parce que avec la team, nous, ça va être notre premier festival. Ouais. Donc, il nous faudra un retour. Parce que il faudra revenir raconter. On s'est constitué pendant le Covid. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, on a commencé les lives. Le groupe qui a tout fait à l'envers, c'est génial. Ouais, c'est le Covid, tout le monde s'est barré, ils se sont foutus. En fait, on a vachement bossé pendant le Covid. On a fait énormément de résidences, on a tout à fait en fait. vu qu'on avait du temps, quoi, on s'est fait OK, let's go. Donc nous, le plein air fest, ça va être, il va rester en mémoire. Pour Odyssée, ça va être une première, ça va être beau, quoi. On va tout donner, quoi. Enfin, déjà qu'on donne tout là, ça va être pas beau, quoi. Tout de suite. Faut garder-en un peu pour la scène. Quoi. Hein? Gardez pas tout de suite, donnez-en pour la scène. Et puis on va profiter des autres groupes. Après, ouais, clairement, ouais.
1056. Ellie, après j'ai une question du chat. Bah moi je fais une vraie différence entre les festivals où je bosse et les festivals où je suis en vacances. C'est vraiment pas les mêmes. Donc tu vois, là t'allais citer Main City tout à l'heure, Main City j'y bosse pas. J'ai jamais bossé et franchement j'y bosserai jamais. Plein de raisons diverses et variées, mais notamment parce que c'est les vacances. Il se passe un truc qui merde à Main City. C'est pas mon problème. Pas les couilles. Et du coup, j'aime bien parce que effectivement sur les stands, il n'y a que des potes à moi. Et donc je fais le tour de mes potes. Alors que sur un fest où je bosse, très souvent, non seulement je vois pas les groupes, mais en plus je vois pas mes potes non plus. Ah ouais, d'accord. Du coup, comme je cours partout, et tu vois, bon, on reparlait du Hellfest tout à l'heure, et c'est le meilleur exemple, entre mes heures de bénévole et mes heures pour mes groupes, bon, finalement, en fait, je regarde jamais la proc, parce que quand je vois un concert, j'ai du bol. Tu vois, et pourtant, il y a 150 groupes, donc en fait, voilà. Et chaque année, je me fais niquer comme ça. Donc, ça fait déjà 4 ans que je regarde plus la proc, ça me sert à rien. Et à l'inverse, du coup, comme j'étais frustrée de ça, et ben, je me suis mis à faire des festes vacances. Donc, notamment, il y a le Mency, il y a le Furios, dans le Cantal, et du coup je l'ai choisi un peu loin exprès. Là j'aimerais bien me faire le extrême, un de ces quatre, parce que ça fait longtemps que je veux le faire. Et tu vois, il y a d'autres choses comme ça qui me permettent de faire des rencontres incroyables. Je suis allée au Metal Immersion, du coup, parce que j'étais méga vénère, parce que quand j'ai bossé... ça m'étonne pas de toi. Parce que en fait, j'étais énervée, c'était ça l'histoire. Non, c'est juste arrivé avant, fois. C'est juste avant, il y avait la Fire Master. La Fire Master, où je gérais une partie de l'accueil artiste, les interviews, la presse, et finalement je me suis retrouvée à gérer d'autres trucs parce que, je sais pas, les gens qui devaient gérer les trucs, parce que t'étais là, c'était pas une bonne idée, pas en train de le faire, et du coup fallait le faire. Et du coup, c'était la première fois qu'on emmenait ma grande en festival, et en fait, je l'ai pas vue de la journée. Et je l'ai laissée à mes meilleurs potes et à son papa, et moi je l'ai croisée des fois au catering, et j'étais dégoûtée, quoi. Et je vois que quelques semaines après, il y a le Metal Immersion à Lyon. Et mon mari n'était pas là, donc j'étais seule avec elle. Je vais être, t'es quoi ? Festival. Allez, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on prend un billet de train, on part à Lyon, on va au Metal Immersion. Comme ça, moi aussi, je peux faire mon festival avec ma fille. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric. Bah, c'est la belle histoire, c'est okay. Ça. C'est, qu'on s'est c'est parce que je voulais faire un fest avec ma fille. On a discuté, ah, tu fais de la presse, ah, bah tiens, on fait un festival. Et puis voilà. Ça serait jamais arrivé sur un festival où je bosse. Parce que du coup, on se serait pas parlé. Ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, on s'est rencontrés, tu m'avais dit, de toute manière, un festival, tu verras, une fois qu'on bosse dans ces métiers-là, même si je bosse pas vraiment dedans. Tiens, il y a Malette qui vient de se décoller là-bas. Tu vas voir que, en fait, techniquement, tu travailles toujours un peu tout le temps. Ouais. Et à l'époque, j'avais pas compris ce message jusqu'à que je me tape le Mency, où vraiment, tu fais, en 10 minutes, tu as fait le tour. Et j'ai mis 1h45 à faire le tour, parce que tout le monde te saute dessus pour dire bonjour, mais ce qui est logique en fait. Et je me souviens que j'avais demandé à Clément, à l'équipe, ou d'un moment, faites-moi une extraction, c'est-à-dire que vous venez, vous dites qu'il y a un gros problème, vous m'emmenez sur une table, vous m'encerclez pour que les gens ne me voient plus, et je dors sur la table. Mais c'est vraiment ça, c'est ramène un hélico, appelle Johnny Hallyday, je veux un hélico. Et je n'avais pas imaginé ça. Et c'est un truc que j'ai découvert avec le temps. Et maintenant, je me rends un peu plus compte de vos métiers à vous tous. Parce que même à chaque concert ou à chaque festival que je vais, j'ai toujours cette part de festivalier et cette part de je dois jouer le directeur. Et faut jongler un peu les deux, c'est compliqué. Les festivals vacances aussi, tu vois. J'adore bosser sur des fêtes, vraiment, c'est toute ma vie. On va se barrer loin, Clément. C'est cool aussi de venir et te dire je fais rien. Et je crois que le pire, c'est quand on me demande mon avis alors que j'ai décidé que je faisais rien. Mais comme du coup maintenant on emmène les filles avec nous, c'est ton bouclier. Tu vois, je peux pas, j'ai ma petite. Désolée, tu vois. Genre là sur le dernier fest, là en plus on a emmené les deux, donc il y avait Chloé qui avait moins d'un mois donc. Ouais. Et t'as un groupe qui est venu me voir là, pour me demander un truc et je fais hey, y a Biberon là, désolé les gars, salut. Oh quel dommage. Salut. Est-ce que t'as de la blédine, mon frère? Allez, ça passe. Et du coup, c'est pas moi qui ai dû gérer leurs problèmes et ça m'a vraiment fait plaisir parce que des fois aussi on t'accoste pour des trucs qui. Ouais, c'est un truc que je voulais noter au public parce que les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais en vrai, quand on est dans ce milieu-là, on n'a plus vraiment de vrais concerts ou de festivals, comme tu dis, vacances, ça devient de plus en plus. Mais c'est pas méchant, c'est cool à vivre. Mais c'est vrai que ce petit moment où tu es tout seul et juste profiter d'un groupe, ça devient de plus en plus rare. J'ai une question du chat qui est intéressante. Question pour le festival de la part de Steph de Ice Chemical. Vous organisez un tremplin avec les groupes de chez vous. Avez-vous l'envie un jour d'élargir le tremplin version nationale ? Je suis pas sûr que ça serait bien. Hein. Bonne question. J'aime bien, j'allais dire l'inverse. En fait, il y a tellement, enfin, comme je disais, c'est tellement difficile d'arriver à faire jouer des groupes locaux
qu'on capte un peu toute l'année et qu'on identifie et qu'on a envie de soutenir sur les concerts que quand on peut le faire sur le festival. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un tremplin aussi, pour permettre à plus... Enfin, comme on sait qu'il n'y a pas suffisamment de place, même si on essaie de faire jouer pas mal de locaux sur le festival, on se dit, bah, avec le tremplin, ça va permettre à quatre groupes déjà de jouer dans le cadre du festival pour qu'il y en ait un qui rejoue après sur le festival. Donc, ça nous permet d'être un peu plus impliqués encore rapport à ces groupes. Et on est un festival qui est territorial, qui est un festival qui est ancré dans un territoire, qui est porté par une commune. Et qui et voilà, je trouve que ça fait partie de nos prérogatives en tant que festival qui gagne un petit peu en importance sur la région, bah de vraiment promouvoir les groupes de la région. Donc, pour moi, ce n'est pas une priorité de l'ouvrir. Ça n'empêche pas que, par exemple, Odyssée, ce n'est pas un groupe qui est très connu et qui est de Paris et qui va quand même jouer sur le festival. On n'est pas sur un petit groupe qui débute quand même. Non, mais bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va aussi aller chercher des talents, des groupes un peu partout. Mais pour nous, il faut quand même qu'on ait 3, 4, 5 groupes locaux. C'est quelque chose d'important pour nous. Ouais. Quand tu m'as dit territoire, j'ai vu nos régions du talent. Ça m'a fait mais, ça, mais c'est exactement mais c'est ça. En fait. C'est exactement. C'est ce que j'allais te dire là. Ça. Le mot important qu'il a dit, c'est territoire. Et on bosse en plus de ça sur, une commune où c'est la commune qui dit, ok, on va faire un festival métal chez nous. Et ça, c'est unique en France. Hein. Et donc, ça n'existe pas. Ouais, et donc forcément, mais du coup, c'est normal que tu défendes le territoire parce que ça aide, ça met en valeur la commune et du coup, tu travailles encore mieux avec elle. C'est ça. Et donc, en fait, tu vas commencer à créer les liens avec la commune, avec le territoire, avec toutes les structures qui participent au festival, Mediatone, BAM Productions. C'est un accompagnement territorial général du groupe amateur qui a besoin de se développer, qui va être sélectionné par un jury de professionnels, par le public, dans une salle aussi lyonnaise qui fait vivre la culture métal. Tu es obligé, en fait, avec le territoire, de composer. En fait, c'est trop compliqué d'aller nationalement, aller piocher de partout. Ah, ça serait cool. Parce que, ne serait-ce que les frais de déplacement. De déplacement des groupes, enfin, tu vois. Et Steph, t'as ta réponse. Déménage. Voilà. Déménage et tu seras local. Ou alors trouve chez toi des personnes qui sont OK de monter des tremplins. Mais et de il fait des partie d'une asso qui fait partie d'une salle qui monte déjà des tremplins. Donc voilà. Okay, mais après, Steph, pour être honnête avec toi, il y avait un peu plus de 75 groupes déjà sur le tremplin. Donc, ça va vite. Hein. C'est énorme, et du coup, ça en fait déjà beaucoup. Donc, avant que le plein air arrive à faire jouer les 75, il y a du chemin. Par contre, pour avoir planché dessus, il y avait quelques tricheurs qui n'étaient pas du territoire dans les 75. C'est vrai. Et après, très intéressant. Il y a eu des tentatives un petit peu. Mais du coup, c'est con d'avoir mis ta candidature et d'avoir marqué « Je suis de Paris » dedans quand il y a écrit Cyrone-Alpes. Alors, qui a gagné le tremplin? Bah, on ne sait pas, c'est pas encore. Ouais. On a les quatre. Il faut vraiment envoyer le résultat. On a les quatre finalistes, c'est Camille Zolka, Code Altesse, Afterglow et Drive North. Camille Zolka, on les avait passés pendant le Covid. Mais du coup, tu vois, ce qui est super intéressant sur la question qu'on nous pose, c'est que là, on est à Paris pour défendre le festival et aussi parce qu'on a fait un warm-up à l'empreinte. On a programmé des groupes qui jouent au festival, mais l'empreinte a aussi programmé un groupe qu'ils accompagnent. Oui, mais parce que l'empreinte, ils font travailler le local. Donc tu vois, c'est un peu plus cette place-là qu'on peut avoir dans l'histoire du festival, aller rencontrer d'autres salles, d'autres territoires, etc. La petite anecdote quand même sur la soirée. Ah non, faut arrêter, il faut qu'on fasse une pause musicale. Les loulous. Ah bon, ok. On la garde pour après. Allez, ça va. C'est l'anecdote de l'ensemble de mon cul. Ouais. Est-ce que on t'a coupé la parole, dis-moi très vite. Non, là j'ai oublié. D'accord, c'est parfait. Du coup, on va se faire une petite pause musicale, on vous renvoie deux clips. Il va nous arracher la gueule et nous arracher nos micros. On revient juste après parce que on arrive dans la dernière demi-heure et il va falloir. Enfin, dernière 20 minutes. C'est pour ça que je vous coupe un peu. Hein? Voilà les loulous, c'est pour ça que je vous coupe un peu, mais c'est passé très vite. Du coup, on vous envoie les deux clips, profitez-en, on se retrouve juste après, et puis ce sera temps de faire les bisous et les au revoir. Après, on peut continuer. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. ماشي. تفضلوا الولاد. السلام. السلام. اش عندك؟ فاش لوجوا الولاد؟ عندك طب قدم. سيرفيس الكل ذهب. قديم. قداش عمرك؟ شفت مزيان؟ 50 سنة. نجم. اي تفضل. شفت ما بالا؟ سيف وكل نحاس.
Aïe, t'es chérie. N'est chérie. You know you're gonna win all you learn. Your victory will live forever. Keep fighting for the right you're inside. Believe and carry on. Jump on. Vas-y.
Bon, on est de retour sur Fréquence Métal avec l'image, on est toujours en son chez nos amis, ça va être la dernière partie, on va vraiment faire les tours d'adieu parce qu'on arrive sur la fin et on va déborder, je suis désolé pour Rock en Folie. J'ai une bonne nouvelle, Steph, tu as gagné tes places, donc très vite, contacte-nous par mail, tu l'as, ça devrait pas être compliqué, on se connaît, que je fasse suivre ça et que tu gagnes tes places. Et pour remercier, et pour répondre à Edil, Tammy, je suis pas contre venir au Plein Air Fest, le petit pépin que j'ai, c'est que j'ai une canne blanche et que si je suis pas accompagné, c'est un peu compliqué pour moi de venir. Mais on peut inviter ton accompagnateur aussi, tu sais. Oui, le problème, c'est qu'il faut que je le trouve. Voilà. Mais si je trouve un accompagnateur, je viendrai avec plaisir parce que du coup, bah, cool. J'ai tous les copains à croiser et j'ai vu, il y a pas mal de groupes qui me plaisent, comme je vous l'ai pas dit. Mais allez. Du coup, on va arriver sur le dernier tour de table. On va en faire un très rapide. Chacune des deux équipes va devoir présenter ses réseaux. Où est-ce qu'on peut les voir? Où est-ce qu'on peut les suivre? Où est-ce qu'on peut leur donner de l'amour? On va commencer par vous. Parce que okay. Malheureusement, j'ai parlé un peu moins de vous que ce soir. Bah non, tout va bien. On a bien parlé. écoutez, vous pouvez nous retrouver sur Insta. C'est ODC _ official. N'oubliez pas l'underscore, sinon vous tombez sur un truc chelou. Ouais. sur Facebook également, c'est vraiment nos deux ODC officiels sur Facebook. Voilà. Nous, vous aurez toutes nos actus là-dessus. Et également sur YouTube, c'est ODC. Et vous êtes pas mal. En plus, vous faites bien bouger le truc. Ouais. TikTok, on l'a, mais également. Ouais, c'est ODC Rocks. En fait, il y en a partout. C'est vrai que c'est de la folie, mais on est beaucoup sur Insta. Okay. Et la plupart de nos followers, en fait, on interagit beaucoup avec eux sur Insta et Facebook. C'est le plaisir que j'ai eu voir, c'est que vous étiez très 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 réactif. Parce que quand on a fait l'annonce lundi, j'ai vu que tout était la première raconte. J'ai fait waouh. Ah, je suis au taquet, c'est moi qui viens les réseaux derrière. Et j'adore. Ah ouais, je me suis dit, il est pas mal non plus. Moi, je bombarde. Ouais, ouais, ils vont voir comme un fou. J'ai été surpris. Mais c'est super. Ouais. Du coup, pour vous Le site internet, plein-air-fest.com, tout attaché sans apostrophe. Les réseaux sociaux aussi, Plein Air Fest, sur Instagram et sur Facebook. Et préparez-vous aussi sur TikTok à suivre Super Tartelette, qui va être... Enlève ta main du micro. Pardon, ouais. plein-air-fest.com, Facebook, Instagram, et sur TikTok, Super Tartelette, qui va être notre personne qui va gérer un peu les TikTok, le réseau TikTok Mediatone. Enfin, pardon, plein-air-fest. Et voilà, on va balancer pas mal de petites actus, pas mal de petites exclus aussi, un peu les backstage du festival. Cool. Ah, super. Donc voilà, suivez-nous. C'est une plateforme, j'ai une plateforme où on s'y est mis à l'arrache et ça marche plutôt bien. Pour toi? Non, moi aujourd'hui je suis plein air fest. Alors d'accord, moi je suis en vacances. T'as la raison. Et du coup, on va finir avec le dernier tour de table. Chacun à votre tour, on va commencer votre tour, Tariq. Ça va être le moment d'envoyer des merci, du love, des bisous à qui tu veux. C'est histoire de finir en douceur. Des bisous à ma mère. J'en étais sûr. Big up les mamans. Ça, big up les mamans toujours. J'adore les mamans. Big up d'autres raisons. Toutes les teams qui bossent sur le Plein Air Fest. Donc Sonorité de Montcu, la mairie de Colomiers-Saulnieu. Quand tu disais des bisous au maire, je pensais que tu parlais du maire de Colomiers-Saulnieu. Bah d'abord ma maman et après le maire, le vrai. Toutes les petites mains qu'on voit pas. Mais les centaines de personnes, 200 personnes qui sont sur le festival, et sans ces personnes-là, c'est impossible. Donc je pense aux bénévoles, je pense à Zef aussi, je pense à... Non, lui, il travaille pas, il a dit les festivals. Non, Zef, c'est Jean-Michel. Je veux juste t'emmerder. C'est les équipes, les bénévoles, qui d'autres, les BAM Productions, qui nous accompagnent là-dessus. Et après, un big up aussi à tous les médias, notamment vous, pour nous accueillir, pour parler du festival, parce que vous êtes vraiment beaucoup à parler de la prog et tout, et c'est voilà. Merci à tous ces gens-là. Nous, la date était calée depuis au moins 3 mois, donc j'ai eu le temps de préparer. Hein. J'espère juste qu'on s'en est sorti ce soir. Vous pourrez le dire dans le chat, vous pouvez me taper dessus, il n'y a pas de souci. Sur le site du planairfest.com, pardon, je vais y arriver, c'est la fatigue qui commence à arriver. Vous avez l'onglet partenaires, et là, toutes ces personnes-là, on les remercie chaleureusement, avec beaucoup d'amour. Ellie, est-ce que tu as des merci à faire? Ouais, le Plein Air Fest. D'accord. Non, moi je voudrais remercier le Plein Air Fest de m'accueillir cette année pour cette aventure et j'espère que c'est que le début d'une belle aventure. Je voudrais remercier Fréquence Métal de toujours être là pour l'ensemble de mes projets. On t'a rencontré au tout début du projet. Et sinon, je voudrais aussi remercier mes groupes parce que c'est grâce à eux que je peux avoir ma vie saltimbanque. Je crois qu'on en a passé quelques-uns cette année. Ouais. Mais c'est cool avec toi, c'est qu'on t'a appelé en disant « il nous faut des groupes cette année », elle a sorti liste, t'as fait « voilà, pioche !» Donc j'aime bosser avec toi, c'est le plus simple. Nous, on va faire un gros bisou à l'équipe du Plein Air. Bah oui, déjà.
parce que merci de nous faire confiance. Votre premier festival. Bah ouais. Donc ça se fête. Hier déjà on était au warm-up, on était vraiment contents de commencer. Donc merci, on a vraiment hâte. Bah merci à vous de nous recevoir, c'est super. Et avec plaisir. J'espère qu'on pourra en refaire une. Bah continuez. Mais sur votre groupe du coup. Ouais, bah avec grand plaisir. Merci aux fans. Voilà, sans vous on n'existe pas. Donc on a hâte de vous voir. À mon cul. le 8 juillet. Je sais que dans la région lyonnaise, là, ça va être super. Et puis, coucou à la team ODC. Et également, merci Damien, parce que sans toi, j'aurais jamais rencontré ton copain Eric. Ouais. Donc Damien, gros bisous. Peut-on dire qu'il y aura le feu à mon cul? Pardon, oui. Désolé. Peut-être juste un dernier mot. J'insiste encore sur le fait que la confiance que nous donne la mairie de Colombier-Saunieu pour l'émission qui nous donne, c'est juste incroyable. C'est rare, faut le bichonner. C'est rare, il y a une grande confiance. C'est vraiment le seul festival métal qui est porté par une commune et qui n'est pas un truc privé ou associatif. Ils viennent justement intelligemment, je dis ça en toute humilité, agréger des compétences pour que le festival il arrive là où et ils veulent l'emmener. C'est qui monte. Et je trouve que c'est c'est vraiment hyper agréable de collaborer avec toutes ces équipes. Donc merci à eux. Et du coup, je vais fermer la marche comme tous les soirs. Je tiens à vous remercier, vous, ce soir, qui nous avez suivis, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur peu importe les pages que j'ouvre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et c'est cool de voir le soutien que vous portez à la chaîne, le soutien surtout que vous portez au groupe, parce que ça débloque des trucs pour eux. Les copains d'Alchimical peuvent vous le dire dans le chat, ça peut débloquer des trucs assez sympas. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis ce soir. J'espère que l'émission vous a plu, parce que c'était une spéciale et que j'ai eu un méga stress à monter tout ça et j'ai peur de m'être chié dessus tout le long. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On sera là la semaine prochaine avec un groupe qui déboîte parce qu'on va recevoir les Wild Mighty Freaks. Ah. Attendez-vous à prendre une... Tu vois, petit plaisir. Tu vois, c'est un petit plaisir encore. Attendez-vous à prendre une sacrée claque dans la gueule parce que la scène émergente a des pépites qu'il faut savoir découvrir. On a joué avec eux en décembre. Ils sont bons. C'est des tueurs. Ouais. Donc, écoutez, voilà, pour tous les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à follow, vous venez quand vous voulez, tous les vendredis, on vous fait découvrir des groupes qui en valent la peine. Ce soir, c'était ODC, mais on n'a pas pu mettre autant le temps sur eux, parce qu'il y avait deux groupes qui se battaient en duel. Du coup, voilà, le plus important, c'est que j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine et les autres vendredis. En attendant, on vous dit, prenez soin de vous. Bonsoir et à la semaine prochaine. Je peux avoir le tout dernier mot? Non! S'il vous plaît, aidez-nous à remplir mon cul. C'est oui, oui, oui. Alors je dis oui à mon cul. Allez, vas-y. En tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine et au plaisir. Ciao. Ciao.